C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Vous savez, les bijoux, ça fait partie du story pack d'être un rappeur. Bracelets, chaînes, pendentifs, des grills, une bague de fiançailles, peu importe le morceau que vous voulez, ils peuvent tout faire sur mesure. Chez le top bijoutier en ville, Bijouterie Jamil. Allez les checker, ils ont deux localisations, dans le cœur du plateau et un à Rosemont. Pour le meilleur prix en ville, dites le code promo RAPOLITIQUE. N'oubliez pas de suivre leur page Instagram @JamilJewelry. Investissez dans votre swag avec de l'or. Il y aura toujours une valeur de revente. Yeah, yeah, what up, what up. Bienvenue à notre émission de RAPOLITIQUE. Je suis Monsieur de Montréal. Shout out à Courvoisier. Vous savez déjà, quand j'ai soif, je bois du Courvoisier. Donc, aujourd'hui, vous savez, Kéké et moi, on s'appelle des journalistes urbains, des historiens du rap québécois. Puis aujourd'hui, ça renforce le fait que nous sommes des historiens du rap québécois à cause du duo que nous avons aujourd'hui. Généralement, c'est un trio, mais le DJ ne pouvait pas être là aujourd'hui. C'est des gars qui ont amené le rap local au niveau commercial. C'est des gars qui ont fait un gros boom en début 2000, 2005 à 2008. Ils avaient un gros boom commercial. Ouais. Puis ils ont vraiment amené le rap joie, le rap local au niveau où que tout le monde dans la province savait qu'il y avait du rap ici. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment, ils ont ouvert beaucoup de portes. Après Loco Locas, ça serait eux. On va faire du bruit pour Omnicron! Yes, Somnol! Fait que vos noms individuels, c'est... Moi, c'est Jean-Bart. Yeah, moi, c'est Gabo, a.k.a. l'Inso Gabo, a.k.a. maintenant aussi le Gabouane dans mon nouveau... En 2021, en fait. Fait que première chose que j'ai remarqué, Jean-Bart, lui, c'est pas un petit gars, là. Fait que gros monsieur. J'imagine quand les gens voyaient, c'est du rap commercial, est-ce qu'il y a des gens qui essaient de vous tester quand ils vous voyaient, ils sont comme « Oh shit! Okay, » Shit, on n'a pas calculé mieux dans le groupe. Fuck! Bah, puis le DJ aussi, il est vraiment gros. Fait que tu sais, je veux dire, je pense qu'à chaque fois que ça l'arrivait, c'était sur le temps. C'était toi qu'on allait caler. Ouais, c'est ça. J'avais pas le choix. Je suis dead. Fait que vous êtes originaire d'où, chacun? On vient les deux. Nous deux, on vient de Valleyfield. Fait que c'est okay. Comme... Ah oui! Oh, les deux born... ben lui, il est né à l'hôpital à Montréal, je pense. Ouais, ouais, mais les deux, on a grandi à Valleyfield, genre petite ville là, ça arrive sud à comme 45 minutes d'ici. Mais je viens de l'ouest, fait que je connais. Je connais Valleyfield. C'est le vibe. Je connais. Tout ça, je suis comme, ouais, straight up, Valleyfield. Non, Valleyfield, là, toute notre jeunesse, on a passé à Valleyfield, puis comme... Moi puis lui, on faisait du rap ensemble au secondaire. Là. On s'est connus, on était au baseball. On jouait au baseball. Ouais. Fait qu'on était full kid, à comme 9 ans, 10 ans, puis tout ça. Gros fan de baseball. Mais genre, on se tenait pas vraiment ensemble avant comme milieu secondaire. Là, okay. Que t'sais, lui, c'était plus un genre de skater. Puis ouais. Moi, j'étais avec ma gang. Puis à un moment donné, ils étaient tous plus à l'école parce qu'ils étaient tous plus vieux que moi. Puis là, genre... T'es venu skater. Je suis pas devenu skater, mais je me suis comme greffé à la gang de skaters. Puis tu sais, lui, je savais qu'il écoutait comme le même genre de rap que moi, puis tout. Puis j'étais comme, ah, shit, t'sais, on avait déjà eu des cours là, qui étaient comme... J'étais comme, ah, t'écoutes The Alcoholics, OK. C'est ça que j'aimais souvent. Nous, on était genre dans notre clique, puis on était les gars de basket, mais il y avait les skaters, puis... Yo, les gars, ils avaient du Far Side, ouais, les gars, ils avaient genre ça, du Mob Deep. On est comme, comment vous avez ça? Ben yo, mais fait ouais. Que c'est ça qui a fait en sorte que... Même genre, c'est quand j'ai les connecte avec les gars plus skate que j'ai comme connu les shit comme Shade of Culture, mettons. Là, ouais! Fait ce qu'il y a à faire, c'est ça qui était différent, comme mettons, qui était peut-être différent de Jean-Bart, c'est que moi, tu sais, on est des années 90, fait que tu sais, c'est comme, quand t'écoutais du rap, on dirait dans ce temps-là, c'était... T'sais, tu fais pas comme maintenant, juste comme écouter du rap, puis écouter c'est du punk, plein de musique. Si t'écoutais du rap, t'sais, t'avais le style, t'avais pas le choix, ça venait avec tout. Fait que t'sais, veux pas genre, t'sais, genre un blanc de Valleyfield, je voulais pas avoir l'air poser. Fait que t'sais, quand ça s'est arrivé dans le skate, pis là justement, il y avait des trucs genre Farside, Lord of the Underground. Ouais. C'est vraiment les premiers CD que j'ai achetés à cause que c'était comme crédible dans le milieu du skate. Ouais, ouais. Par la suite, c'est ça, justement, je suis devenu ami avec Jean-Bart. Puis les deux, on était vraiment fans de rap. Puis je te dirais, Jean-Bart, il m'a ouvert à plein d'autres styles. Mais c'est drôle parce que moi, je suis un gars de... Maintenant, j'ai déménagé à Vaudreuil. Ouais. Dans l'Ouest, on déménage plus vers l'Ouest. Fait que, il fut un temps, c'était la SQDC, c'était à Vaudreuil, à Valleyfield qu'on allait.
Là, ils en ont ouvert à l'île Perrault. Et ouais, il y avait, tu vois, mais je sais. Au début, il n'y en avait même pas. C'était j'allais à Valleyfield des fois. Ça se peut, ça fait tellement longtemps. Moi, genre, je suis allé à Valleyfield là, mais genre, ça fait tellement longtemps que je ne vais plus là-bas. Genre, c'est comme. Ben, justement, quand je suis là, je cherche les blacks. J'en vois pas vraiment. Mais je suis surpris qu'il y en a pas beaucoup. Il y en a sûrement plus qu'il y en avait back then. Ouais. Parce que dans le temps, genre, je pense que j'étais le seul. Quand j'étais kid, il y avait juste moi. Genre, chaque. Ben, au primaire, il y avait juste moi. Puis, comme, quand je suis arrivé au secondaire, là, il y en avait comme un autre. Fait que c'était comme tout de suite, quand je suis arrivé, lui, il était plus vieux que moi. Mon boy Eman. Puis là, comme, quand il m'a vu, il était comme, oh, lui, il est avec nous. Fait que là, il m'a rentré dans sa gang. Puis là, il disait à tout le monde. T'as pas le choix, c'est plus de question d'ailleurs. Puis, il était comme lui, il disait à tous les autres. Il était comme lui, c'est mon frère. Puis là, j'étais comme, je suis pas ton frère, c'est pas moi ton frère. Parce qu'il y avait un frère qui avait la même âge que moi. Puis, c'est ça. Puis lui, il est arrivé après. Mais c'est ça, on était pas beaucoup là à Valleyfield. On était, c'est ça, secondaire, on devait être 4, là, peut-être, maximum. Mais ouais, dans les meilleures années. Là, les meilleures années, on était 4. Les meilleures années. C'est quoi tes origines? Moi, je suis moitié Keb, moitié Guadeloupéen. Ah, Guada. Fait que tu comprends le créole? Non. Je comprends une couple de mots, mais déjà, créole guadeloupéen, c'est pas exactement la même chose que créole haïtien, ouais, mais genre, mon père m'a jamais vraiment appris. C'était plus un gars genre politique, etc. Là, il s'occupait pas trop, d'élever un enfant, mettons. Fait que, ah, tes parents étaient plus ensemble? Oui, ils étaient ensemble, mais genre, okay. Lui, il était plus genre... Ça moi, je check les nouvelles, je fais de la politique, puis that's it. Et t'as plus grandi avec ta mère? C'est plus ma mère qui m'a éduqué, là, fait que j'ai jamais appris le créole, là, mais... C'est toute ma... J'ai la moitié de ma famille qui est en Guadeloupe, puis... J'ai été? Ouais, je suis allé quand j'avais 10 ans, puis je suis retourné quand j'avais 18. À peu près. Fait que ça fait un bail, là, mais là, j'y retourne bientôt. T'es retourné en tant qu'adulte, fait que ouais. T'as goûté à la chair guadeloupéenne aussi. Ouais, j'étais relax quand même dans ce temps-là. Straight up. Et toi, t'es Québécois, tes ouais. Grands-parents viennent d'ici? Ouais, mes grands-parents viennent d'ici, en fait, donc, non, Québécois. Genre. Puis c'est, tout le monde vient de Valleyfield? Tes grands-parents viennent de Valleyfield aussi? Ou? Ouais, je pense que oui, en fait, ouais, je suis pas vraiment au courant, mais je pense que oui, en région de Valleyfield, sinon en campagne, juste à côté, pour le côté de ma mère, dans le fond. Ouais, ouais, parce que je sais que Valleyfield, ils ont leur histoire. Je connais pas trop. Mais Valleyfield, c'est ça, c'est vraiment une ville bizarre, c'est dans un sens que c'est comme un genre de... On dirait que c'est comme à part, tu sais, c'est banlieue, mais en même temps, ça a son vibe qui est un peu comme trash, là, je te dis. C'est un côté BS. Je sais pas si c'est encore comme ça, sûrement. Sûrement, comme... Mais comme je suis le monde de Valleyfield. Non, non, si je regrette pas d'avoir né là, mais c'est quand même... Je me rappelle quand j'étais jeune, dans l'actualité, il y avait eu genre un... Il y avait un article, puis c'est comme la meilleure ville, puis la pire ville du Québec. Ah ouais. Puis il y avait le fait que cette année-là avait gagné, tu sais, genre taux de chômage, taux de criminalité. Ouais, c'était la meilleure, pire. Mais c'était pas, la pire. C'était la pire, mais c'est pas ghetto ou whatever, quand c'est comme un peu trash. Non, c'était comme redneck un peu, là. Wow. Mais comment toi, t'as vécu, genre, justement, en étant une minorité visible dans ce quartier-là, dans cet état-là? Ben, c'était weird des fois, là. C'était comme, c'était pas tout le temps, c'était pas la best chose, t'sais, j'ai pas les meilleurs souvenirs de Valleyfield, t'sais, en même temps, j'ai tout le temps été, t'sais, j'suis un gros bonhomme, là, j'ai tout le temps été d'un plus gros dans ma classe, ces affaires-là, fait que le monde me testait pas vraiment, mais genre, les plus vieux, ça arrivait, t'sais, même genre, juste comme, les vieux de la ville en général, ben les vieux, t'sais, comme... Genre, j'ai des amis, je pouvais pas aller chez eux, là. C'est comme, à cause qu'ils ont dit, ouais. C'est comme, il y a pas de black, qui rentre ici. Non, là. Oui, là, mais comme oui. Si c'est ségrégation ouais, shit, à là. À cause des parents, parce que vous avez des parents. Pendant, puis on parle en plus des années 90. C'était pas si longtemps, là, c'est ça, c'était pas tant avec le monde de mon âge, j'étais plus avec le monde plus vieux, puis tout ça. Le monde de mon âge, c'est sûr qu'il y a eu des fucks, puis des affaires. Tu sais, dans le temps, il y avait des skins, puis des shit de même. C'était chaud, là. Ouais, mais c'était surtout, tu sais, le vibe général de comme, t'es le seul black, le monde sont comme, ils savent pas c'est quoi, ils aiment pas trop ça. Il y a beaucoup, t'sais, il y avait un vibe quand même, pas tout le monde, mais il y a comme une certaine partie de la population là-bas qui est quand même un peu redneck. Fait que c'était genre, t'sais, il y a pas de neuf qui rentre chez nous, puis blablabla. Puis c'est genre, je me rappelle, il y avait un autre black qui venait de Montréal, qui était venu habiter à un moment donné, puis là, comme quand on allait chez du monde, là, des fois c'était comme.
oh non, le père y arrive vite. Fait que là, il fallait comme sauter du deuxième, oh sauter God. Du balcon pour se sauver parce que le bonhomme, il allait sortir son 12 ou whatever. Là, il était fou. On sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Wow. Là, c'est rendu ses parents-là, leur petit-fils, c'est des métis. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je pense que les mentalités changent avec le temps aussi. Ouais. Hein? Mais tu sais, plus tu vas loin, je pense, dans le Québec, puis moins les gens ont vu de choses. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est weird, c'est pas si loin que ça. Là. C'est ça, en plus, c'est non, ça. Tu avais dit, genre, comme un gros. Quoi, 20-25 minutes de Montréal. C'est ça, si ça se trouve, ils travaillent à Montréal. C'est un 45 minutes. Non, mais tu sais, c'est beaucoup. 45 minutes, ça dépend d'où je pars. On va dire, de la dernière sortie, c'est Sainte-Anne-de-Bellevue. Ouais. Ok, ouais, ouais. Fait que de là, puis t'es sur l'île de Montréal. Ouais, ouais. Dans ma tête, Sainte-Anne-de-Bellevue, c'est pas Montréal, là, mais. Ouais, c'est ça. Mais on est sur l'île de Montréal. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vrai. Fait que, ouais, c'est quand même real. Puis les relations avec les filles dans ce temps-là, ça aussi, c'était difficile. C'était weird. C'était weird. C'était comme... pour vrai, quand j'étais kid, moi, j'étais juste genre comme, bah, les filles, ils aiment les dudes avec des cheveux blancs. Là. En plus, c'était dans ouais, Nick Carter. C'était Nick Carter qui frappait en plus dans Backstreet Boys. Fait que, c'était comme shit. Genre, ça passe pas mal. Les filles étaient pas mal plus après lui, je pense. Ouais, mais tu sais, j'étais pas... Quand ça a Kurt Cobain... Mais en même temps, dans ce temps-là, je pognais pas vraiment non plus. Là. On était quand même... On était... C'est sûr dis que le, je pognais sûrement reject. Plus. Mais on était comme... Ouais, on jouait à Nintendo 64. Là, genre, ah, GoldenEye 64. On jouait à, nous, on jouait à NWO, WCW. Oui, ouais, ça, c'était genre, real, ça. GoldenEye aussi, quand même. GoldenEye ouais, aussi, mais ouais. Genre, on s'est fait des gros tournois. Mais là. Ouais, non, le jeu de lutte, là. Tu sais, on est des gros fans de jeux vidéo, les deux. OK. Genre... Back then, là, le jeu de lutte, là, m'en est quand j'en suis le buvard à jouer. À jouer toute la nuit. Ça, ouais. Ouais, moi, je suis un gros fan de lutte encore. Ouais, aussi, là, genre à fond. Fait que, ouais, ça... OK, c'est très intéressant, man. Je savais pas que vous venez de Valleyfield. Je sais pas que vous l'avez rap dans une chanson. Est-ce que vous avez déjà... Non, c'est ça. Non, on n'a jamais rap dans une chanson. Cool, parce que c'est ça. Si on aurait fait une chanson un peu comme... Peut-être comme caricatural ou humoristique sur Valleyfield, tu sais, ça l'aurait fité, mais tu sais, faire une tune genre, on rap Valleyfield, ça l'aurait pas été nous c'est non ça. Plus, tu sais. Non, parce que c'est ça, tu sais, comme, moi, j'ai des verses que j'ai écrits que j'ai jamais sorti encore, que je suis comme, tu sais, qui parlent de Valleyfield, mais c'est comme, c'est pas tant positif. C'est ton expérience. Tout le long que j'étais jeune, dans ma tête, je voulais juste m'en aller de là. Ouais, j'étais comme, moi, je vais aller à Montréal. J'étais comme, je vais aller. À 16 ans, on voulait déménager en appart ensemble à Montréal. Ah ouais? Oui. Votre famille est toujours à Valleyfield? Moi, juste ma mère. Moi, mes parents ont déménagé à Montréal, en fait, quand j'avais comme 19 ans, dans le fond. Genre, ah, okay, comme, j'ai déménagé avec eux un an, puis après, j'étais allé en appartement. Genre, OK. Mais, c'est ça. Quand vous ne retournez plus vraiment. J'y vais des fois parce que, genre, j'ai un moment avec un magasin vintage, fait que, tu sais, je vais thrift des fois où je vais juste manger, genre, le bidon, là. C'est là que la meilleure poutine allait, mais that's it, là. Ouais. J'ai pas de... C'est vrai, la meilleure poutine, généralement, c'est en campagne. Ouais, fucking bon. La bonne poutine bien graisseuse, là, genre, comme... Il y a du fromage dans le fond, il y a des patates. Oui, c'est vrai. Bonne patate. Fromage, ouais, fromage c'est patate, bien réparti. Ouais. C'est ça, c'est fromage, marre. Patate, fromage. Idéalement, ça vient dans un cup en styrofoam. Ouais. C'est vrai, les gars, ils ont une chanson sur la poutine. Fait. Ouais, vous connaissez votre poutine for real? Ouais, ouais. On en a mangé en tabarnak. Ouais. C'est déjà qu'on en avait mangé pas mal. Après. C'était comme... Vous aimez ça, la poutine? Là. Oh, ouais, là, faut récolter quand même la belle province. Je pense qu'ils font des belles... Oh, c'est des goûts, c'est des goûts. On s'entend. Mais... Valentine est avant, puis après... Mais vous n'êtes pas d'accord, belle province, il y en a que c'est jamais la même chose. Il y a certaines belles provinces qui sont meilleures que d'autres. C'est pas comme le McDo. Genre, il y a certaines belles provinces qui sont folles, d'autres sont comme... Mais je suis quand même dans avec la poutine belle province. C'est comme grosse patate, un peu. Oui, la sauce, c'est un peu une sauce barbecue, je pense. Sainte-Catherine-Saint-Laurent est vraiment bonne. Ah ouais? Celui d'Anton? Seul d'entendre, c'est... Ouais, un problème, sinon. Sinon, les restaurants de poutine, là, les Poutineville... Ouais. Ça, j'ai jamais été vraiment impressionné. Banquise était bonne, par contre. Était. C'est ouais. Jusqu'à temps qu'ils ont décidé de dire, OK, you know what, on enlève le fromage, je vous donne juste 10% de fromage. Non, y a rien. Aussi, je voulais vous demander du extra fromage. Mais c'est qu'on veut, comme... Ils exagèrent, c'est juste pour le nom... Ouais, mais tu sais, il y avait beaucoup de... Ça donne rien de faire la file pour aller là. Non, ouais, c'est genre, ouais. Y a c'est pas la grosse poutine. Meilleures places. En face, c'est meilleur tant qu'à ça, je trouve. Ouais. Quand le restaurant en face, ouais, ben oui, ça, c'est vrai. Fucking bon avec la sauce piquante dedans, puis le poulet pour même. Ouais, c'est ça. Mais le line-up est encore deux fois plus long. Banquise, maintenant, c'est vrai. C'est vrai. Banquise, c'est ça, était bonne dans le temps, mais genre, sinon, c'est comme, tu sais, c'est les Français qui débarquent qui vont faire la file. Ouais, c'est ton overhype. J'ai entendu ça sur Google.
dans le temps qu'on a sorti Danse la poutine, là, on a fait un show à Banquise là, à 4h du matin. Ah ouais? Ouais, c'était fou. On a fait un show secret à 4h du matin à Banquise avec Musique Plus qui filmait. Puis tout. Il y a du monde qui faisait du body surfing. Le plafond de la Banquise est pas haut. Là, comme le monde qui tenait le monde qui faisait du body surf, qui touchait au plafond. Non, c'était crazy. On a actually fait une poutine qui était sur le menu pendant je sais pas combien d'années. Je sais même pas si c'est encore. C'était quoi le nom? C'était Danse. C'était la poutine Danse. À un moment donné, j'étais allé genre peut-être 6 ans après, 8 ans après. Puis là, j'étais comme, oh, elle est encore sur le menu. Encore là? J'avais pris une photo, mais là, je pense qu'elle n'est plus là. Mais de toute façon, c'était pas la meilleure poutine. Il y avait déjà tellement de sortes sur leur menu que c'était juste comme, bon. Faut qu'on come up avec quelque chose qui a pas dessus déjà. Juste fait un peu n'importe quoi. Intéressant. Avez-vous besoin de nouveaux téléphones, accessoires ou une réparation comme Cyrano? Time to Fix est la solution pour vous. Entreprise québécoise Black Owned qui sera là pour vous épauler dans vos situations téléphoniques les plus critiques. Un service de réparation sur place est également disponible pour la grande région de Montréal. Pour entrer en contact avec Time to Fix, allez sur leur site web timetofix.ca ou sur IG Time to Fix. Avant de continuer, je dois vous parler de notre sponsor fidèle, l'Atelier Duo de Chef. Oui! Situé dans l'est de la ville de Montréal, à Rivière-des-Prairies, mac and cheese, crevettes papillons, les poutines au griot, poutines au poulet, comme vous voulez, allez commander tout de suite sur duodechef.com. Utilisez le code promotionnel rapolitique et vous allez avoir un rabais sur votre commande. Oh là là! Hein? La grosse bouffe. Fait que ouais, musicalement, fait comment vous avez connecté au niveau musical? Les trois ensemble, avec le DJ. Avec le DJ. Lui aussi vient de Valleyfield? Non, lui, il vient de Joliette, dans le fond. C'était, ça, c'est à l'époque, que je dirais, comme début 2000, fin 90, qu'on était comme vraiment fans de rap underground, genre nerd un peu. Là. Il y avait les choix à Casa del Popolo, Salarossa. Puis, il y avait tout le temps les mêmes fans, tout le temps, les 20 mêmes personnes, dans le fond. Genre, fait que, nous, on était comme, admettons, tu sais, comme, lui, fais-tu du rap, tu penses? Puis, fait que lui... Ah, toi, tu fais des beats. Fait que, tu sais, genre, ça l'avait juste fait, oh, nous, on fait du rap. Puis à l'époque, tu sais, c'était vraiment comme Def Jux, un peu, genre, les trucs comme, tu sais, underground, mais vraiment left field, qui sont vraiment bizarres, je dirais. Fait que, tu sais, ça l'a connecté tout de suite à cette époque-là. Ouais, c'est ça, que là, on était être abstrait, dans le fond, avec. Ouais, c'est ça. Avec on s'appelait, figure c'est ça, on s'appelait pas Omnichrome dans ce temps-là, on s'appelait être abstrait. Puis okay. On faisait être abstrait, on fait, c'était vraiment plus expérimental ce qu'on faisait, puis c'était comme tu sais expérimental un peu weird, c'est pour ça qu'on c'est pour ça qu'on trippait sur des bands, tu sais on écoutait plein de rap canadien qui venait de d'ailleurs, tu sais du Box 65, 62. On avait un show puis il y avait tellement personne dans le show, je pense c'était quoi déjà, c'était McEnroe, ça se peut avec Pipi Skid. Puis là il avait dit qui fait du rap, on était trois puis nous deux on est comme nous deux fait du rap. Montez sur le stage, on est comme non. Allez rap, tu n'as jamais je dis que je fais du rap, mais on était comme 5, tu sais, mais on n'avait pas monté en fait cette fois. On écoutait des bands qui viennent, tu sais, mettons des gens du rap Californie aussi, de Californie, genre Blow, super, ouais, ça, Project Blow, Bus Driver, je sais pas, c'est comme Ici Alone, un paquet d'affaires. Underground. Des trucs encore plus underground que ça, là, que tu sais, ils ont un fanbase juste parce que l'internet commençait à exister. Là, on a tout le temps été des méga fans de rap, dans le fond. Si, tu sais, dans ce temps-là, on est allé à Cincinnati, c'était un festival de battle rap. Cincinnati? On était aux États-Unis, là. Ouais, Scribble pas Jam. Non, pas pour participer, on était en tant que personne allé en 2002, on est allé à Cincinnati, ça s'appelait Scribble Jam. C'est genre, c'était un festival de hip-hop à Cincinnati que t'as comme des battles de DJ, battles de break, des battles de MC. T'es allé là comment? On est allé là en auto, man. 17 heures de char. 7 heures de route.
Puis la personne a failli se faire défoncer son char. Hein. C'était, non, mais c'était, nous autres, c'était comme notre rêve d'aller là. Capoté, parce que c'est comme, tu sais, on achetait les VHS de ces shows-là qu'il y avait une fois par année. Okay. On achetait les VHS pour les checker. Puis, tu sais, mettons, tu sais, Eminem, il est dans. Il l'a déjà gagné. Eminem l'a déjà gagné, mettons, en 97 ou quelque chose dans le 97, 98, je sais plus. Joe's aussi, là, un vieux freestyler qui est comme une légende. Fait que nous, on était comme, man, si un jour on peut aller, genre, au Scribble Jam, ça va être le shit. Puis là, finalement, on est allé, on traînait sur les forums de rap dans le temps, c'était Sous la Terre, ouais. Qui était comme un vieux forum de rap avant hip-hop franco, puis HHQC, okay. Mettons, Sous la Terre. Puis là, comme, tu sais, on a trouvé, comme il y avait une couple de personnes qui trippaient un peu là-dessus aussi, on a trouvé un boy qui trippait là-dessus. Que, genre, on voyait dans les shows, justement. C'est ça qu'on voyait dans les shows qu'on allait aussi. Fait que là, on était comme, hey, on tente d'y aller, puis on le connaissait pas, puis là, il est comme, ouais, puis là, comme, il est venu nous chercher, puis on est allé là-bas, puis. C'était fucking nice. C'est un road trip, man. Ouais, c'était un gros road trip, là. Puis, tu sais, ça faisait très différent là, de chiller dans un festival à Cincinnati, là. Ouais, c'est fou comme expérience. Même la ville de Cincinnati en tant que telle, c'est comme. C'était quand même ghetto, un peu. C'est vraiment, Cincinnati, c'est ça. Hein. Tu sais, comme New York, admettons, tu as quelques villes, Chicago, Los Angeles, mais en particulier aux États-Unis, les villes dans le Midwest, genre Cleveland, Cincinnati, c'est plus. C'était plus ghetto. Ben, on dirait que t'sais, comme le centre-ville, il n'y a rien. On dirait qu'il n'y a personne au centre-ville. Oh, juste le monde, ils vont venir travailler en banlieue. J'entends, pis après, ils retournent vivre. Sinon, tu vois des quartiers, c'est juste comme. Tu vois que, mettons, les communautés pauvre, plus là, black, tout ça, sont plus là, puis c'est plus pauvre. Puis tu vois qu'en haut, quand tu checkes plus loin ou en haut de la montagne, t'es comme. Ah, c'est les grosses maisons, c'est là que les blancs habitent, mettons. Puis, classique, c'est ça. Mais c'était nice, là. Genre, il y a eu. Quand on était à l'hôtel, il y a eu. C'était comme, tu sais, l'hôtel qu'on était, c'était un hôtel. Ça, c'était juste du monde du festival, cheap. Genre. Ah ouais, c'était juste du monde qui allait à ce festival-là, tu sais. Puis c'était comme l'hôtel fucking cheap. Puis ils ont parti l'alarme de feu, genre. Puis là, c'était comme. Tout le monde s'est mis juste à graffer des couloirs. Puis là, tu sais, c'était vraiment viré en genre de. Tout le monde a graffé partout dans l'hôtel. Genre, tu rentrais dans l'ascenseur, puis le monde graffait dans l'ascenseur. Enfin, le propriétaire, quand on est parti, il était comme cerné jusque-là. Puis tu sais, ouais. Il était en tabarnak. Tu sais, les dudes avaient comme leur setup de turntable dans la chambre, puis faisaient les gros parkings. Carrément, ça, c'était très, très hip-hop, là. Vraiment hip-hop. Fait que vous aviez fait un démo pour commencer? Ouais. On a fait un démo là, dans ces années-là qu'on avait wreck nous-mêmes, qu'on avait mis dans les dans des magasins, tu sais, les magasins de disques puis de vinyle qu'il y avait dans le temps. Là, il n'y en a plus bien en star, là, mais tu sais, que tu pouvais mettre en concert. Disquivel, enfin, Music World, HMV. Ouais, mais c'est plus indépendant. Music World. Okay. C'est ça, il y avait Disquivel qui était sur Saint-Laurent, genre juste en bas de la côte de Sherbrooke. Puis, c'est ça, tu sais, on l'avait mis là-bas. Puis, peut-être un autre Cheap Trills. Ouais, c'est plus trop d'autres là, mais c'était vraiment un démo 5 tunes full mal enregistré puis tout ça. Vous appelez encore être apparaître? On est très être abstrait. Est-ce que c'est déjà la blague? Okay. Ouais. Non, c'est ça, on s'appelait comme ça dans ce temps-là, puis c'est ça qui a fait qu'à some point Kiro qui était dans Attache Tatuque dans le temps, Kiro il avait comme, tu sais, lui c'était un peu je pense celui d'Attache Tatuque qui trippait le plus sur les affaires weird. Ouais, il trippait sur le même genre de musique que nous. C'est comme il était tombé sur notre truc, puis là ça l'avait intéressé, il trouvait ça nice, fait que là, il nous avait demandé si on voulait comme participer au rap maudit. C'est les rap maudits, ouais. Il y avait Monkey aussi, il était vraiment jeune. C'était des soirées de spoken words, c'est comme nous on était comme on était à Montréal depuis une couple d'années, mais tu sais là on parle de 2003 peut-être, 2002-2003, ça fait peut-être 2-3 ans qu'on est à Montréal, puis là c'est ça, tu sais, c'est comme, on va aller faire les soirées spoken words, mais man, je trouvais ça fucking stressant, là, c'est comme, on n'avait pas fait de show, c'est ça, vous n'aviez pas d'expérience d'aller sur la scène, deux shows, tu sais, genre,
pas grave maintenant, on a fait plein de shows, mais dans ce temps-là, il était tellement stressé que il shakeait, fait que tu sais, ça en était triste. Même à Valleyfield, vous aviez pas fait deux shows. À Valleyfield, on a fait deux shows, c'était horrible. Les pires shows. Ah ouais? Les pires shows. Moi, j'étais le pire. Genre, tu peux pas avoir une pire personne. Tu sais pas aboutir, le match allait tomber, tu stresses. Non, non, si j'avais un fuck-up dans une line, j'étais plus capable de continuer. Arrête la toune, on la recommence. Là, le monde, les gens là. Ouais, le monde encore. Non, c'est correct. Yo, les gens, ils sont là, ils veulent juste un vibe là. Des fois, tu rappes puis tu. Moi, devant une foule, genre, j'avais tout le temps été gêné dans ma vie. Tu sais, comme, même au secondaire, là, tu sais, j'étais dans des classes d'enrichi puis tout ça, puis je foxais mes cours pour pas faire. Les exposés pour pas faire mes exposés en rôle. J'étais comme fuck that shit, man. Je fais pas les exposés, j'ai eu ça. Genre, j'ai été en avant d'une classe. Fait que quand on a fait les rap maudits, tu sais, au Subvie dans le temps. Toutes les lumières sont allumées, il n'y a pas de beat. C'est ça. Tu fais juste comme. Yo, faire ton spoken words devant le monde qui sont comme en avant de toi. T'es pas sur un stage, rien. C'était comme full stressant, man. Puis là, je suis comme. Je suis tout le temps comme. Il faut pas que je shake. Puis là, j'essaie de tenir mon micro plus fort. Et là, plus je le tiens fort, plus il shake. Dead. Wow. Mais non, ça a été quand même une bonne expérience. C'est un bon training, ça, quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, après, comme tu fais un vrai show, t'es comme, c'est vraiment moins stressant que les rap maudits, dans le fond. C'est... Parce qu'au début, tu sais, t'as peur du jugement, t'as peur de les critiques. Ouais, en plus, quand tu commences, tu fais ton nom, ta réputation, fait que t'es comme, oh, wow, est-ce que ça va passer ou pas, tu sais, fait que... Non, c'est clair. Puis, tu sais, avant, comme à les shows qu'on a fait à Valleyfield, c'est comme ils disaient, ça s'est vraiment mal passé. Là, je me rappelle, on faisait un show, puis pendant le show, il y avait quelqu'un qui avait dit « Hey, on met-tu de la vraie musique? » C'est comme... Imagine que tu chantes, t'es comme « Aïe, 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 les techniciens, peux-tu sortir du stage, là? » C'est ça. On a fait un show, c'est quoi? Il tombait de l'eau sur le stage. Oui, celle-là, il y a un show sur une vieille salle, là. Il tombe de l'eau sur le stage, t'es comme « Ah! » Sinon, on a fait un autre show skate park. Premier show à vie dans un skate park. Tu sais, on commence le show. « Approchez-vous, approchez-vous! » Tu sais, c'est grand skate park. Il y a genre une compétition, il y a genre 1000 personnes. Il y a comme 20 personnes, j'exagère tout le temps, mais il y a genre 20 personnes qui arrivent en avant, tu sais. On commence le show, là, ça, j'exagère pas, par contre. On commence le show, 20 personnes, ça fait genre une minute, tout le monde s'en va, t'sais. That's it. Puis après ça, on a joué genre ton premier show à vie, là, c'est comme... Ouais. Surtout que dans le temps, là, c'est comme... Tu sais, il y avait pas... On faisait, comme là, on enregistrait sur des shit tout croche là, qu'on avait comme fait nous-mêmes, un peu n'importe comment. On était à Valleyfield aussi, on était pas. C'est pour ça qu'on voulait venir à Montréal aussi, de se connecter avec tout le monde. Mais dans le fond, vous avez bougé à Montréal, on va dire, spécialement pour rentrer dans la scène hip-hop et tout ça, ou c'était juste parce que vous étiez aussi tanné de la base, que c'était vraiment plus focus pour votre carrière? C'est un mélange des deux. Tout est bougé parce que tes parents bougeaient à first? Ouais, à 19 ans, mais tu sais, quand même jeune, je voulais bouger aussi. Mais ouais, c'est ça, mes parents ont bougé, puis mais c'était vraiment important pour moi, tu sais, comme, c'est ça, dans le fond, le rap. De rentrer dans la scène. Genre, là, dans le fond, comme je disais à mes parents, justement, genre, je vais aller au cégep dans quelque chose qui se donne pas à Valleyfield, fait que j'ai pas le choix d'aller à Montréal. Ouais, t'as fait ton smack. C'est ça, puis qu'est-ce qui se donne pas à Valleyfield? Pas sens humaine, pas ça, technique. Je me rappelle même pas c'était quoi, là, fait que c'est sûr que c'était pas important. Wow. Ouais, puis moi, tu sais, comme aussi, j'avais tout le temps voulu y aller, puis là, à un moment donné, quand lui est parti, un autre de mes chums est parti aussi. Là, tu te retrouves tout seul, tes meilleurs chums sont plus là, t'es tout seul dans ta petite ville wack que t'aimes pas, puis que tu veux tout le temps, depuis tout le temps, tu veux t'en aller. Fait que là, à un moment donné, j'étais comme, bah, tu sais, puis j'étais comme, fuck off, là, je m'en vais à Montréal tout de suite, là, même si j'ai pas de job, j'ai pas d'appart. Je travaillais à Sainte-Ville, justement, dans ce temps-là, avec lui. On travaillait dans un laboratoire. Charles River? Biorecherche. Okay. Ouais, un laboratoire qui fait des tests des animaux, là. Ouais. Yeah, mais vous suiviez déjà qu'est-ce qui se passait à Montréal? C'était les gros nous, comme de l'époque qui étaient vos références? Vous disiez, les gars sont trop forts! On était les plus grands fans de rap. Tu sais, dans le temps, c'était pas le rap Québec, là. Nous, on appelle ça le rap de Montréal, le rap montréalais. Toutes les soirs, c'était notre. C'est mon Golden Age que je capotais Beret, des paysards. Ok. Sinon, moi, j'adorais le Star Cooper, Ravette, là, je sais pas si. Ah ouais, ben oui. Sans squad. Ben, sans pression, ils vont crever, moi, Zion. Mais, tu sais, même le freestyle qu'il y avait, SP, qui, je pense, c'est sur Exhibit, là, qui fait un classique, là, genre, là. Puis ils vont crever aussi, genre, c'est ça. Ils vont la goat.
Ouais, ouais, exact. Puis, donc, toute cette époque-là, on était super fans, mais en même temps, on était à Valleyfield. Fait que, tu sais, nous. On faisait juste enregistrer. Moi, j'écoutais les émissions de radio. Tu sais, j'écoutais Le Cachot, j'écoutais Nuit Blanche, j'écoutais ces affaires-là. Okay. Les autres émissions en anglais, je pense que c'était quoi, hip-hop non-stop. Il y avait Master at Work avec. Je sais pas si c'est le même. Tout ce qui était genre quand le rap keb a commencé un peu puis qu'il y avait justement les émissions de radio, nous autres on était full fans là, il y avait Musique Plus aussi. Ben, il y avait Musique Plus, mais avant, tu sais, il était pas là encore, c'était Domatic. Là, c'était comme l'époque Domatic et LMDS, tu sais, c'était comme le rap underground. Moi, j'avais l'impression que ça allait take over, tu sais, à cette époque-là, ça allait être comme être ça, le rap des grands médias, tu sais, je m'attendais pas que ça. T'sais, les trucs comme Connaisseur, ça jouait pas à Musique Plus au début. T'sais, après, il a sorti des clips, mais genre au début, t'sais, dans notre tête, on entendait juste ça à la radio, là, sur CISM pis ces trucs-là. C'est ça, j'avais acheté l'album du Connaisseur, genre au Vibes. Vibes, c'était 5-4e, ouais, c'est ça. Ça, c'était gros. L'apéro, l'album Apéro. Ouais, l'apéro, c'est ça. Puis même avant, les tunes avant, c'était quoi, c'était ces automnes, c'était style de gars, puis style de vie, genre, c'était comme, sinon, c'est ça. T'es des gros fans de même rap. Même les vieux tapes de ce temps-là, on trippait, là, sur, ça tape trop pour les faux, ces affaires-là. C'est Sage, là, qu'on l'a rencontré par après, dans le fond. Sage Wanda. Ouais, exact. Justement, j'ai un... encore ces tapes à lui. Dans ce temps-là, on ne connaissait pas. Non, on ne connaissait pas, mais par la suite, puis me prêter les tapes que j'ai encore, justement, qu'il faut que j'y remette, là. C'est quand même des... C'est quand même des t'as les remettre. Il y en a pas des millions là, des tapes de ça tape trop pour les faux là, sur le marché. Non, c'est ça. Dans ce temps-là, c'est ça, on trippait. Je pense que le tape qu'on écoutait le plus c'était RDP Payseur. Ah ouais, Attention danger, volume 3. Mais s'il y a les albums que vous voulez retrouver, il y a un gars sur Fat et la sonorité. Ouais, ouais, j'ai connecté ça, avec lui. Ce gars-là, je sais pas c'est quoi son plug, lui, mais il retrouve là, même les choses que nous, on n'a pas. J'ai parlé beaucoup avec lui sur Instagram, justement. Il fait beaucoup d'archives aussi sur Instagram. C'est fucking nice qu'il fasse ça. Le hip-hop a besoin des gens comme ça. Peut-être éventuellement, il viendra même. Ouais, il faut. Je pense que le travail qu'il fait, ça mérite sa place pour. C'était tellement dope la musique de ce temps-là, puis il y a tellement de monde qui est pas au courant. Justement, puis tu sais, maintenant c'est un genre de revival comme boom bap pour les kids, puis ils sont même pas au courant de ça. Puis tu sais, il y avait une scène de ça ici, il y avait une scène ici, exact. C'était fou parce que c'était vraiment un nouveau son là, dans ce temps-là, tu sais, comme d'avoir du rap, traumature, juste mon index, tout ce vibe là, tu sais, d'avoir du rap qui était comme en un peu en joual ou comme avec un slang un peu plus Montréal, c'est comme on trouvait ça fucking nice. On était comme waouh, tu sais, quand t'es habitué à écouter soit du rap US ou du rap français, tu sais, dans ce temps-là, je pense, je sais plus si c'est le même temps, mais tu sais, c'est ça, il y a un bout où je trippais pas mal le rap français, tu sais, les deux balles puis ces affaires là. Mais comme quand on a entendu même deux balles, puis tout ça, c'était après, je pense. Mais en tout cas. Mais quand on entendait ce son-là, genre, c'était comme, man, c'est fou. Il y a des. Tu sais, puis on venait à Montréal, on venait voir des shows des fois, tu sais. Je pense que c'est quoi, c'est Sans Pression avec Passy qu'on avait vu. On avait vu au Franco. Puis je pense que c'est les bouts en plus qui ont été pris pour l'album de 514, là, les bouts qui parlent de ses pantalons. Puis tout ça. Il me semble que c'est ce show-là. Puis genre, on trippait à fond sur Ravette, que genre, personne connaissait. On disait, il y avait nous, on capotait, genre, c'était comme, on appelait au cachot, tu sais. Genre, je me rappelle avoir appelé au cachot. Chaud, puis je demandais tout le temps du Ravette. Puis là, le monde gars, il me dit c'est toi qui appelle à toutes les semaines. Peut-être. Dans ma tête, je suis comme, il y a plein de monde qui appelle pour du Ravette. Puis là, il est comme, c'est-tu ton ami Ravette? Je suis comme, non, je suis un fan. Là, il est comme, parce que lui, il apporte des cassettes, tu sais, puis là, il est comme, nous autres, c'est des CD qu'on joue, là, fait qu'on peut pas jouer les cassettes, genre, fait que là... Moi, la première fois que j'ai entendu ce nom-là, c'est Nuit Blanche, on a vu, là, j'ai dit, c'est quoi ça, Ravette? Le gars s'appelle vraiment Ravette, c'est une sale. Je dis, ah ben non, man. Mais c'est toi qui étais fucking, c'était intense, là, du Ravette, là. Du Ravette. Fait qu'on s'en... Il y a eu un deuxième boss ici, il était venu un moment donné, puis il était venu au cachot, je pense. Puis il avait juste dit, genre, que son album, il dropait telle date.
Fait que nous, on au était tabou. Au tabou. Avait dit au tabou. Fait que nous, on était partis de Valleyfield cette date-là. On était comme, OK, on s'en va acheter l'album de Ravette. On s'en va au tabou. On arrive après au tabou. T'es comme, t'as-tu l'album de Ravette? Ils sont comme, qui ça? Qui ça, Ravette? De quoi tu parles? Fait que c'est ça. T'sais, en étant à Valleyfield, on avait un genre. Dans ma tête, c'était comme cette scène-là, c'était des superstars. Des ouais. On était jeunes, on avait comme 17 ans. Genre, c'était comme... Des vrais hip-hop fans. Mm. Fait que vous, votre premier deal, vous étiez signé quand vous êtes sorti? Ben, c'était indépendant? Avec Omnicrome, on était indépendant. On a sorti un EP complètement futur millionnaire qu'on l'avait appelé, genre qui était complètement indépendant. Mais comment il y a eu la transition de nom? En fait, ouais. Quand on a connecté avec notre DJ, puis que là, on s'est mis à faire des tracks ensemble, on s'est dit, bah, faudrait, tu sais, on peut plus être vraiment juste être abstrait. Juste c'est des comme... poètes. C'est ça, on n'est plus des poètes. Mais aussi, c'est la musique qu'on écoutait, tu sais, on s'est un peu écœuré, genre, du rap underground. Puis là, c'était comme le sound qui prenait comme la place. On voit l'influence. Là, on est devenu fou, genre Lil Jon, David Banner. Paul Wall, Mike Jones. UGK. Comme UGK, on était vraiment deep dans ces affaires-là. Là, on capotait aussi. Six. C'est là que ça a fait un peu... C'est pour ça qu'Omnicrome, ça a un peu un genre de son comme dansant, comme plus inspiré du sort. Puis en même temps, les premiers trucs d'Omnicrome sont vraiment abstraits. Parce que justement, avant, on faisait des spoken words. Fait que tu sais, il y a une transition. Puis après, bon, on a comme trouvé notre style. Mais ça veut dire quoi, Omnicrome? Ça veut rien dire. C'est genre, on cherchait juste, on essayait de trouver un nom, puis là, on mettait des. On name droppait n'importe quoi. Vous êtes retourné dans l'abstrait, vous avez rien compris. T'avais vu les noms qu'on avait failli s'appeler, là. Non, c'est original, Omnicrome. C'est comme si ça allait, je sais pas, de film de robot. J'aime ça parce que ça fait comme compagnie aussi. On dirait que quand t'as un nom qui veut rien dire, ça veut seulement dire ça. Parce que, tu sais, on cherchait des noms, puis genre. On est un peu, tu sais, on fait de la musique un peu niaiseuse des fois, puis tu sais, on est un peu niaiseux quand on part dans des délais dans nos têtes aussi, fait que tu sais, on cherchait des noms, puis on tombait sur des astuces d'affaires qui faisaient pas de sens, qu'on était crampés à le dire, qu'après ça, on était comme, on peut pas vraiment s'appeler de même. Je pense qu'on s'est appelé Semi Plastine, tu sais, pour une compilation pendant, on l'avait envoyé au gars, tu sais, Semi Plastine, puis on avait dit à la dernière seconde, non, on a changé de nom, maintenant c'est Omnicrome. C'est ça, parce que notre premier track qu'on a release, dans le fond, en tant qu'Omnicrome, c'était sur une compile en France. C'est ça. Fait que, on avait envoyé la tune au gars. Je sais plus comment qu'on avait connect avec lui, sûrement sur c'est MySpace. C'est moi, je peux. Puis là, le gars, il était comme, OK, envoyez-moi une tune pour la compile. Il va avoir telle pis telle sa compile. Puis c'est une fucking compile, genre printer CD pour vrai, avec 10 doubles. Puis il y avait quand même des noms quand même. Il y avait des bons noms, là. C'est pour ça qu'on était contents. C'était comme ça, notre première tune, on va être sur une compile. Puis là, c'est comme, ouais, Semi-Plastine. Puis après ça, genre 2 jours après, ah, mais on peut pas s'appeler de même d'envoyer un email. On était juste trop gelé, là. Attends, on a réfléchi, là. Fait que c'est ça. On a juste appelé ça comme ça, dans le fond, juste pour faire un change de genre. Là, on est rendu un groupe, on est 3, on a un nouveau son différent, on se trouve un nouveau nom, puis c'est ça. On s'en allait de voir quoi de différent. Mais quoi, votre style, ça s'est développé avec le temps, parce que si on voit chez les grandes descriptions de votre style, on voit électro, rap, funk, tu sais, il y a plein de genres de tags, fait que c'est difficile à vous taguer un peu. Mais tu sais, au début, c'est ça, tu sais, le monde nous qualifiait de genre électro-crunk. Électro-crunk, parce qu'on avait des influences south, puis tu sais, le crunk, c'était ça qui se passait dans ce temps-là. C'est ça. Électro, puis aussi le south, la musique, juste du south dans ce temps-là, les beats étaient vraiment électroniques déjà c'est ça, puis tu sais, même à cette époque-là. Le south avait pas beaucoup de respect dans ce temps-là, on dirait. Non, mais non, parce que ça. C'était les speedeux de New York où on regardait. Eux, ils arrivaient avec leurs petits beats, puis yo, when I go to the club. Là, t'es comme, c'est quoi ça? C'est pas des bars, ça. Puis. Tu sais, on avait fait Été Hit dans le temps, puis je me rappelle, c'est vraiment pareil dans ma tête comme D4L de Laffy Taffy, tu sais, qui a une tune de ça, Snap. C'est ça l'inspiration pour Été Hit. Mais tu sais, il était tellement pareil le beat que moi, quand ça l'avait sorti, j'étais comme là, le monde, ils vont s'en rendre compte. Mais genre, pour vrai, là, on est en 2021, il n'y a jamais personne qui m'en a parlé. Fait que pour des fois aussi, c'est la perception que tu as de tes propres trucs. C'est comme ça. Là, ça sort, puis pour nous, c'est quelque chose, mais on le sait que pour Été Hit, pour plusieurs personnes, c'est juste une tune plate. Mais tu sais, comme pour nous, c'est quand même. Mais aussi, votre style était particulier. Moi, quand j'entendais du Omnicrome, moi, j'étais comme, c'est quoi? J'étais vraiment, yo, c'est quoi que j'écoute? Je sais pas, whatever. Puis là, je suis comme, OK, mais c'est catchy, mais je sais pas c'est quoi. C'est ça. J'arrivais pas à mettre dans des boîtes. Même si, mettons, Été Hit, le beat, c'est comme, ta 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 ta
c'est full simple, une note quasiment, genre juste tout le long. Dans la tête, c'est ça, c'était pareil comme du D4L, puis Dem Franchise Boys. C'est juste comme genre, on aime ce genre de musique-là et ça n'existe pas en français. Puis une fois fait avec. Une fois fait avec notre twist à c'est nous, ça, c'est, comme copier, si, c'est comme si ça paraissait pas vraiment que c'était comme exact, c'est ça, inspiré de ça ou whatever. De toute façon, je pense que le monde ici était pas tant dans ces affaires-là non plus. Non, on était... Puis tu sais, on était beaucoup qualifiés électro parce que justement, c'est ça, tu sais, on collaborait avec du monde aussi qui faisait de l'électro. Les beatmakers électro aussi. Beatmakers français. Tu sais, la première fois qu'on est allé en France en 2006... c'était genre Tepre. Comme Tepre qui était comme un producer là-bas qui faisait de l'électro quand même assez hard, puis genre comme on avait connecté avec lui avant, puis on y avait fait des tunes, des beats pour nous, puis là il était comme venez en France, ça va être écœurant, fait que là on était allé comme on avait fait des shows avec lui là-bas. Puis on était zéro connu ici, On venait de sortir notre deuxième EP genre FM2, on l'avait même pas sorti encore. On l'avait sorti en février, puis on est allé en mai. On commençait à avoir un buzz parce qu'on était allé en mai, puis en juin, on est retourné pour faire les Franco. Mais le premier EP, vous n'aviez pas encore de nom ici. Le premier EP. Ça parle pogné comme ça. Non, le premier EP, c'est avec MySpace qu'on le. Tu sais, on adorait TTC aussi, un groupe de rap qu'on était vraiment inspiré, qu'eux aussi étaient inspirés du crunk, tu sais, mais en France. C'était une grosse inspiration pour nous. Puis on l'avait, tu sais, via MySpace, on avait seulement envoyé le démo, genre, puis Tiki, dans le fond, qui avait fait une review, puis à l'époque, on était super contents, puis on a connecté vraiment avec MySpace, tu sais, comme c'était vraiment les débuts de, genre, connecter avec les réseaux, puis c'est vraiment de cette façon-là qu'on s'est exporté en France, mais comme, là, ça a l'air simple comme ça, mais tu sais, à l'époque, que ça l'avait jamais été fait, vraiment. C'était tough, là. C'est ça, TTC, c'est ceux avec qui on avait fait Danse la Poutine après, dans le fond, que eux, il y avait comme, tu sais, dans notre tête, il était full big, parce qu'il était signé sur Ninja Tune, avec le sous-label plus rap Big Dada, puis c'est ça, fait que nous, c'était comme... Dans le rap français, à cette époque-là, on était comme, ah, on trippe sur eux autres, c'est fou, fait que comme on leur avait envoyé notre premier EP pour qu'ils genre, ah, hey, écoutez ça. Et vous voyez le vibe un peu. Quand ils étaient comme, ah, c'est nice, c'était l'affaire, blablabla. Il y avait vraiment, quand ils viennent, on reconnaît. Il y avait pas juste, il y avait dit, ah, ça, c'est pas cool, faites pas ça. Puis, tu sais, ça, c'est nice, ça. Puis, okay, comme, vous conseillez un peu sur les trucs qu'ils voient. Ils faisaient confiance parce que c'est comme, il était déjà une figure, justement. Donc, Tiki nous a vraiment aidés aussi au début, dans le fond, à nous orienter peut-être à quelque chose que... C'est de focusser sur les trucs qui allaient fonctionner. Dans ça marchait après parce que le buzz a picked up. Ouais, mais vous êtes toujours indépendant les deux premiers EP. Les deux premiers EP, full indépendant. Vous payez tout vous-même. Voyage en France, vous payez par vous. Ouais. Ben, Voyage en France, c'était eux qui nous payaient pour y aller au final. C'est ça. Puis l'autre affaire aussi, c'est le voyage en France, le premier. Je pense sur le deuxième, on est aussi, il y avait Alex Auché qui bookait des choses. C'est le deuxième. Puis lui, on le connaissait dans des soirées aussi. Fait que Alex Auché qui était comme le gars qui faisait, je me rappelle plus c'était quoi ça. C'était un booker en France. Mais il bookait en France, mais il bookait ici aussi. Il s'occupait de la SAT là, sur Saint-Laurent. Tout ce qui était. Dans le temps, il y avait une grosse scène électro ici aussi, justement. Avec, il y avait les soirées de I Love Neon. Puis lui, c'est ça. C'était comme un booker français. C'était un français super chill. Puis il était ici, puis il bookait là-bas, puis il bookait ici. Puis là, il était comme. La deuxième fois qu'on est allé en France, en fait, un mois après la première fois qu'on était allé, c'était lui qui nous avait booké justement dans des. Il avait booké une couple de bands montréalais. Nous, on était le seul band de rap, dans le fond. Les autres, c'était soit comme un peu plus rock, un peu plus électro, des trucs comme ça. Genre We Are Wolf, Dutch Chess Says. Pour faire des festivals là-bas. Fait que, on s'est ramassé justement à faire des fucking gros festivals. Des gros festivals, là, genre, puis on n'était pas comme. Les Eurocaines de Belfort, là. Que, on jouait, puis il y avait genre Wu-Tang sur l'autre scène, ou genre des shit de même. Là, c'était. Il avait des souliers, genre, il avait donné des Converse. J'étais comme, hey, on était comme, hey, genre, j'ai hâte en Belgique. Parce qu'il y avait un autre en Belgique, peut-être ça va être Nike qui vont nous donner, c'est mais ça, là. C'est la seule ça, fois. Ça c'est pas arrivé. On trouvait ça fou parce que c'était comme, tu sais, c'est la première fois que t'as, tu sais, ça fait pas longtemps, ça fait une couple d'années que tu fais des trucs, mais t'as pas sorti grand chose, t'es un peu inconnu. Ouais, ouais. Ici, on avait un buzz un peu, mais genre, c'était pas si gros que ça encore. Puis vous avez là, pas fait le festival là-bas. Ici, puis l'autre buzz, t'arrives peut-être là, les Franco dehors, là, tu sais, mettons, mais genre, pas les grosses scènes, non. On n'avait pas fait les Franco encore. Non, même pas. On a fait les Franco cet été-là parce qu'on a sorti le EP en février.
Puis après, le FM2 en février, on est allé en France en mai puis en juin. Puis on a fait les franco en même temps, en juin ou quelque chose dans même. C'est vrai, en plus. Puis t'as choke en France, en tenant le micro. Hein? Non, là, on était correct. Le premier show ever qu'on a fait en France, on arrive, on jouait à Nantes. Un genre de festival, on jouait à Nantes, puis le booking c'était nous, puis un band des States qui s'appelait Airborne Audio, qui était les anciens Anti-Pop Consortium, qui était un band underground qu'on adorait. Fait que là c'était comme, on était là, on joue avec deux rappers qu'on adore, genre des States, puis tout. Eux ils arrivent, il y a juste un gars qui est là, l'autre il a manqué son avion, fait que comme eux leur show ils vont être juste un des deux rappers. Nous, on vient pour commencer le show, on est dans la loge, ils nous donnent les plateaux de fromage, le vin, les affaires. Moi, je commence à avoir la gastro, man. Je suis comme, je peux pas. Oh, je suis malade comme un chien. Je vous dis. Il y a eu le caca stress. J'ai tout en même temps. Genre. Ça n'a pas de bon sens. Là, genre, lui, il est comme, ah, ben, on peut pas faire le show. On fait pas de show. Genre. Puis là, le promoteur, il est comme, non, tu y vas. Là, on n'a pas fait beaucoup de show. Ben, j'ai comme, mon ami, il est malade. Genre, non, tu y vas. Puis là, comme, il était là, ben, le promoteur, comme, fais des verses. Là, genre, là, j'étais allé, j'ai juste fait des verses. Puis. Là, mais on était quand même contents, genre. Fait que là, Non, ça s'est même comme, tu sais, je te dirais pas que c'est pas genre, je suis arrivé, puis genre, le monde, il capotait. Mais quand même, tu vois qu'ils ont apprécié. C'était juste, c'était potable. Moi, je me sentais full mal. Quand je me sentais un peu mieux, j'étais comme, ok. C'est ça, t'as genre monté les marches. Je montais les marches, comme, pour aller sur le stage, puis j'étais comme, oh non, ça marche pas. Puis t'as vu, tu voyais la foule, t'es comme, mais le gars des States, le gars d'Urban Audio, MCI, Vu un bon gars comme ce ça. Ce gars-là, man, meilleur gars pour vrai. C'est comme. Puis après, on a fait d'autres shows dans d'autres villes. Puis il était là aussi. Je sais pas pourquoi, on était souvent bookés ensemble. Il cherchait partout. Là, tout était fermé. Lui, il est parti. Il dans la rue chercher des médicaments pour aller chercher des médicaments. Genre, il est en France. Là, le gars, il vient des States. Il connaît rien dans cette ville-là. Là. Il est à Nantes. Là. Il parle même pas français. Il est allé dans les pharmacies, des affaires, chercher. Finalement, il a pas réussi à en trouver. Fait qu'ils m'ont fait venir un médecin qui m'a comme fait une petite piqûre. Ça m'a coûté 100$. Tout ça, man! Ça m'a coûté 100$ pour avoir la petite piqûre. Je me rappelais pas de ça. Puis c'est ça. Après ça, j'étais mieux. Mais genre, ça commençait mal le premier show. C'est européen. Ça, là. Les autres d'après étaient pas mal mieux. Mais, c'est ça. Toute cette tournée-là, il était comme moyen les shows. Puis le dernier, on jouait à Paris. Tu sais, comme le un dimanche. Genre, puis tu sais, comme. On commence, puis là, justement, genre, là, il est l'heure du show, il est comme 11h, puis là, je suis comme, t'es qui, ah, tu sais, il y a personne, hein? Là, il dit, ben non, c'est plein. Là, je commence à c'est plein. Là, il dit, ben t'as pas vu dehors, là? Non, là, il montre des photos, là, il y avait une file, genre. Ça, c'était où, c'était au triptyque? Ouais, il y avait une file dehors. Il a recommencé à avoir sa gastro. Ben là, il était correct, là, il était content, là, c'était une vie, genre. C'était au triptyque qui était comme une des. C'était comme une salle assez mythique là-bas, genre, c'était comme un club un peu, genre, tu sais. Ou est-ce que là-bas il y avait beaucoup de shows? C'était super hipster. Puis tu sais, comme la France, c'est tellement. Ben Paris, tu sais, c'est tellement gros que genre, tu sais, juste un truc comme nous, Canadiens, qui fait du rap comme ça, ça l'a attiré genre juste assez de monde hipster pour remplir cette salle-là. C'est ça. Je te dirais, quand on était pratiquement inconnu, mais pour nous, on a fait un show que là, j'ai comme, hey, le monde en France, à Paris, ils connaissaient nos paroles. Eh, jure! Ouais, tu sais, en avant, ils connaissaient toutes les paroles pis tout. Fait que comme. Mais ils connaissaient, il connaissait 70%, l'autre 30%, ils disaient n'importe quoi parce qu'ils pensaient qu'ils connaissaient les paroles. Mais quand même, hein. Mais je me rappelle après, ce spectacle, toute la tournée, c'était pas super, puis je me rappelle après, à l'hôtel, on avait parlé, puis j'étais comme. C'était fou, là, tu sais, ça l'avait comme donné un boost. Ouais, c'est ça. Wow. Ah, c'était nice, cette première incursion en sol européen. Puis là, après, quand vous êtes revenu ici, c'était quoi le game plan? On a fait les franco. Puis aussi, pour notre première fois. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je l'ai juste dit avant aussi, quand, tu sais, comme là, on avait un certain succès en France, puis tu sais, certaines personnes ici le voyaient, tu sais, on collaborait avec des artistes cool en France. Fait que tu sais, là, le monde, il y a certaines personnes, soit qui nous suivaient déjà, mais certaines aussi personnes qui. Il faut qu'elle parle avec vous au début parce que la scène hip-hop était très différente de vous. Fait qu'il y a des gens qui disaient comme, we don't fuck with these guys. Dites-les bad. C'est la vraie affaire. Puis là, dans le fond, il est comme, ah ouais, c'est nice, Omnicrom, en fin de compte. Finalement, ça, j'aime ça. Finalement, c'est cool. Ça nous a aidé. Puis là, on a gagné du momentum, dans le fond. Mais c'est après un petit bout avant qu'on. Tu sais, quand on est. Tout de suite, quand on est revenu en 2006, c'est comme.
Je pense pas qu'on a gagné de temps. Ben, un peu. Oui, non, mais je veux dire certaine... juste quatre aux bananes. Mais est-ce que les top rappers ici, est-ce que vous sentiez qu'ils étaient comme yo, on dirait que les gars filent pas notre affaire. Comment la communauté hip-hop, vous voyez, dépend, parce que vous étiez très différents. Ça dépend tout le temps qui. C'est ça dépend tout le temps qui. Puis dans ce temps-là, mettons dans le temps d'FM2, je pense que c'était quand même. Tout le monde était quand même down avec nous parce que là, on n'était pas au top non plus. C'est quoi, 2000, genre, là, on parle de 2006, c'était juste avant que trop banane. Fait que, tu sais, on était justement différents, mais... Ouais. Tu sais, comme je pense, le truc qui aussi qui a comme choqué, c'est que on était rendu comme là en 2007, on vendait beaucoup, c'est comme on tourait beaucoup. Puis là, on était un peu numéro un. Puis là, je pense que c'est à cette époque-là que là, genre, justement. Il y a eu plus de hate. 2006. Là, le hate a commencé à rentrer. C'est ça, là. 2006, je cette merde. Ouais, c'est ça. 2006, c'était plus genre comme ah, c'est comme ce gars-là, celui qui, c'est des ovnis qui font quelque chose d'un peu weird. On s'en calisse. On faisait notre affaire vraiment de notre côté. Comme tout le monde fait ses affaires. C'est plus après quand on est devenu genre une fois qu'il y a eu vraiment genre comme après le premier album en fait au premier album quand genre l'album plus pop ou plus ça, pop quand tout le Québec s'est mis à triper mettons parce là nous, ça ouais, ça a dérangé parce que ben là vous aviez votre premier deal sur le premier album c'était avec Audiogram ou non c'était une petite compagnie d'électro c'était Sabotage DJ Champion tu sais mais c'était la seule chose qu'il avait sorti mais lui il marchait à fond. Puis il avait sorti le numéro aussi, un autre groupe d'électro. Mais c'était un petit label. C'était vraiment un petit label, genre deux dudes qu'ils ont sorti le disque de leur chummy DJ Champion. Mais puis là, finalement, ça blow up. Fait qu'ils sont comme, si on a un label, ça a l'air. Fait que les sons, on va se réussir avec eux autres. C'est ça. Puis là, nous, on a signé avec eux parce que. Il y avait le numéro. Numéro, ceux avec qui on a fait un autre track qui a marché beaucoup, le Chewing Gum Fraise. T'sais, on a fait ce track-là avec eux, puis là, eux, ils signaient avec ce label-là, puis ils étaient comme, ah, hey, on signe avec ce label-là, ils sont super chill, blablabla. Fait que nous autres, on était juste comme, bah. Ça sera pas compliqué. Ça sera pas compliqué, on va signer là, nous autres aussi, finalement. On était cave un peu, ben, tu sais, on était, ok. C'est genre, parce que à cette époque-là, ça marchait comme whatever, c'était une autre époque encore une fois, mais t'sais, avec du recul, j'aurais sûrement buildé mon shit indépendamment, été chercher le gros deal, puis tout ça, mais à cette époque-là, on était comme whatever. C'est une opportunité déjà, c'était déjà tough. Fait que si je trouve quelque chose, ça, mais on le prend. C'était juste comme là, on voyait ce qu'on pouvait aller, puis c'était comme on va y aller le plus rapidement possible, dans le fond. Donc, ça devenait comme dur à gérer aussi, de juste comme tout faire tout seul à un moment donné. Ça coûte. C'est ça, puis tu sais, je me rappelle dans le temps de FM1, FM2, là, c'est genre, tu sais, moi je faisais des communiqués de presse, puis genre, tu travailles pas là-dedans. Là. J'avais pas de manager non plus. J'avais pas de manager. Mais genre, c'est une chance, c'était là pour faire ça. Genre, moi je pourris là-dedans, lui est vraiment bon. Mais enfin, c'est toi qui gérais un peu le groupe. Ouais, genre, tu sais, c'est comme je faisais des decks de présentation de ce qu'on avait fait avec les artistes, puis les trucs. J'envoyais ça à toutes les radios que je trouvais. Toutes les radios qui existaient. J'essayais de faire le plus de promos d'affaires de même pour essayer de nous donner de la visibilité. Puis je pense que c'est ça au début qui a aidé aussi. Puis qui a fait que, tu sais, au début, notre buzz quand il a commencé, c'était les radios communautaires, là, les CSM, ces affaires-là. C'est comme, il a fallu leur envoyer ces shit-là. C'était vraiment ça. Puis tu sais, ils disaient même les radios, personne ne nous envoie jamais rien. Genre. Puis là, nous autres, on était comme, ok. Puis c'était vraiment le début. MySpace, je me rappelle, un moment où on était les deux sur notre ordinateur, puis on était sur MySpace, puis dans notre tête, on était comme, là, on travaille sur la musique, puis on faisait juste faire des demandes d'amis à du monde qu'on trouvait cool. C'est comme ça marchait avant. Ben oui. C'est ça. Wow. Fait que tu sais, 2006, quand on est revenu soit du premier ou des deux premiers, je sais plus si le deuxième était avant les Franco, mais parce qu'on était allé en France en mai, puis en juin. Puis il y a eu les Franco, c'était soit... je pense que dans ce temps-là, c'était peut-être en juillet ou quelque chose de même, les Franco. Habituellement, on a joué aux Franco, puis là, c'est ça. Puis là, il y avait eu une genre de controverse, là. Genre, on avait fait la une de la presse à cause qu'ils disaient qu'on avait... On avait fait des paroles misogynes et... Hypersexuelles. Qu'on était genre ceux qui amenaient l'hypersexualisation chez les jeunes filles puis des affaires de... C'était fucking intense, la chanson, là. Prends une photo avec moi. T'es déjà sorti, là? Non, c'est ça, c'était... Non, là, c'était parce qu'on avait joué aux Franco, puis les Franco, Charlotte, Laurent Saunier, j'adore, très bon dude, mais genre, les Franco nous avaient bookés à 7h l'après-midi, à 7h le soir. Dans ce temps-là, nos lyrics étaient plus crus, genre, tu sais, après, on a fait des trucs plus soft, mais dans ça, c'était quand même plus cru. Est-ce que c'était cru ou c'était trop cru pour les médias québécois? C'était un peu comme... inspiré genre de club genre pour tu sais comme mettons FM2 je me rappelle on le faisait dans le sens aussi tu sortais dans un club puis
genre je regardais ce que le monde aimait, puis c'était comme qu'est-ce que le monde aime, c'est crier des trucs vulgaires, tu sais, puis tout ça. Fait, mais en France ça marchait en fait. Ouais, en France ouais, ça marchait parce que c'est vraiment ils aiment ça genre. Mais ici c'était mais comme ici c'était juste quand on faisait français parce que genre 50 Cent ou whatever allait jouer à c'est quoi, puis ça ça passe mais vous le dites ça passe. C'est ça. Là c'était le fait que c'était en français pendant les francopholies de Montréal à 7h. Je pense qu'il y a comme c'est quelqu'un qui a vu ça, qui a fait une plainte ou whatever. Fait que là, après, genre... La petite grand-mère qui était venue voir Lara Fabian. Ouais. Genre, c'est ça. Mais le lundi, c'était comme un article. First, la une de la presse. Ah, c'est une grosse promo. Moi, j'aurais fil. C'est ça qui est arrivé. On n'a même pas aimé ça, genre, c'est sûr. On n'était pas dans parce que, tu sais, il y avait, genre, c'était quoi? C'était Denis Lévesque dans ce temps-là? Tu sais, l'émission à TQS avec Denis Lévesque, c'est ça. Puis là, il était comme... Parce que nous, c'était pas ça qu'on voulait faire comme promotion. Tu sais, on était comme genre, OK, c'est une partie de nos paroles, ouais. C'est vrai, mais là, tu sais, dans tout le sens, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est des féministes qui ont fait le truc. Mais en plus, c'était une sexologue qui écrivait l'article dans la presse. Ah, là-dessus, alors, là. Puis, mais ce qui nous faisait chier aussi, c'est que c'était comme, tu sais, toutes les quotes qu'elle mettait, c'était sur une track qu'on n'a pas fait au Franco, parce que c'était une track qu'on faisait avec Sneaky. Mais là, c'est vraiment une track qu'on faisait avec Sneaky Tombe de South Squad. Puis, genre. Sneaky, il pouvait pas venir au show, fait qu'il est pas venu. Fait qu'on a pas fait la toune. Une des paroles. Ouais, fait dans le fond, c'est sur un track que vous avez jamais fait. C'est ça. Il y en avait. Il y en a qui ont le name qu'on l'avait fait, par contre, mais il y en a qu'on n'avait pas fait. Pas fait dans le sens que c'était pas. Non, elle avait déjà une date qu'on voit, elle était ready pour vous. Mais tu sais, c'était. Ouais, tu sais. Mais tu sais, en même temps, par la suite, c'est vraiment à ce moment-là aussi, ici, je te dirais que, tu sais, je me rappelle, on avait sorti au Savoie les parties. Puis là, je prenais des photos avec le monde. Là. J'avais jamais fait ça avant. Là, j'étais comme, OK, là, je prends des photos. Puis le monde me demande des autographes. Puis, tu sais, le monde veut me payer des drinks. Fait que, tu sais, c'était l'époque que j'ai comme eu le genre de. qu'on a commencé à, comme, tu sais, être mis sur un genre de. Goûter à la célébrité, là. Tu sais, comme, ouais. Tu sais, je veux pas, genre. Mais tu sais, on voulait pas. Signer les tits. On voulait pas, ouais, ça, ouais, on fait pas mal. Après. Mais, genre, mais tu sais, comme, c'est ça. T'sais, c'est vraiment à cette époque-là qu'on a commencé à. Ça, on voulait pas capitaliser sur cette affaire-là. Parce que nous, dans notre tête, c'était comme on veut pas être genre. Tu sais, à l'époque. Et en plus, le hip-hop, déjà, il était vraiment pas accepté. Ça, il était déjà catégorisé. Fait que t'es comme, j'étais comme on veut pas capitaliser là-dessus. Puis de toute façon, je vais pas aller à une émission comme fucking Denis Lévesque. C'est comme il s'en calisse du rap, lui. C'est ça, là, genre, il va juste être là pour nous bâcher. Puis on commençait aussi. Tu sais, si j'avais eu genre 5 ans d'expérience, mais tu sais, si on avait même pas un an d'expérience, c'est comme. C'était quand même impressionnant. Là, moi, je me rappelle, j'étais comme, OK, là, tu sais, si j'avais... C'est ça. Puis à l'époque, j'avais un talk avec Stratège, là, qui était comme... Il était comme, c'est moi qui est obligé d'y aller à TQS, puis blablabla. Ah puis, ouais? Oh, ouais, puis tu sais, j'étais comme, vas-y pas si ça te tente pas, là, c'est comme... Non, t'as pas oublié. C'est comme, toi, t'étais pas là, c'est moi, j'avais croisé Stratège, puis c'est ça. Puis tu sais... J'étais juste genre comme on va pas, ça sert à rien d'aller là, genre c'est pas fucking TQS qui vont comme ouvrir les portes, qui vont avoir une discussion intéressante sur le rap au Québec, blabla, c'est juste c'est de la controverse, ils veulent parler de la controverse. Nous dans notre tête c'était comme on est tous humains de juste on voulait prompter, on voulait pas cacher là-dessus parce qu'on n'était pas non plus connus, on voulait montrer qu'est-ce qu'on était aussi, c'est ça, genre, c'est ça. Dans notre tête on n'était pas genre on fait juste des trucs vulgaires pour être vulgaire, on a d'autres tracks et tout ça, on a d'autres choses avant, même dans la track c'est comme si t'écoutes la ligne d'avant ça va être j'aime les pizzas pas de champignons, puis là après ça va être quelque chose de full vulgaire, tu sais, c'est comme au pire tu files pas, je comprends, mais tu sais ça restait quand même humoristique, puis même si ça n'avait pas été humoristique, tu sais, je veux dire genre pour moi, tu sais, comme j'écoute plein de rap, tu sais, comme je veux pas qu'il soit censuré le rap que j'écoute. Il y avait pas de rap à l'époque qui était vulgaire ici? Ben oui, il y en avait là, c'est sûr qu'il y en avait. Mais pas il y avait Black pas. Tabou dans le fond, ça, ouais. C'est ça, c'était Black Tabou aussi que c'était dans les nouvelles pendant ce temps-là, tu sais, ouais. Eux ça. Il y avait une controverse là-dessus. Le groupe de Québec, là, je sais pas si vous connaissez Black Tabou. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais. Fait que là, juste après, genre ça, il avait dit, ah ben nous, c'était comme un peu si on était comme c'était ça. C'était comme si on était comme pareil comme ça, puis qu'on faisait juste essayer de choquer, puis c'est ça. Mais tu sais, en même temps. Cacher là-dessus. Fait que nous, on sortait l'album dans le fond. Il y avait Chewing Gum Fraise, le clip qui jouait tout le temps à Musique Plus. Puis tu sais, nous, on voulait vivre de notre musique, là, tu sais, on était all-in dans le fond, fait que là, on était comme, faut jouer à Musique Plus, fait que là, si on a fait Trop Banane, puis là, on voulait avoir du visuel, on a fait Trop Banane, ça, c'est le premier album. Ça, c'est le premier album.
distribué. C'est ça. Ouais. Officiel. Exact, le premier album. Puis là, c'est là qu'on a eu le single, dans le fond, qui était été le premier single, le clip qu'on a. La même sexologue a dit trop banane. Hein? Je vois où est-ce qu'il dit. I see. Mais rendu là, tu sais, on en parlait même plus. T'sais, c'était vraiment un genre. Un moment, genre. C'est sur le moment, c'est ça. Après, il y avait d'autres journalistes là, qui reprenaient, puis qui, tu sais, vu qu'ils checkaient Wikipédia. C'est là qu'il y avait Danse la Poutine. C'est ça. Mais le titre, c'est vous qui l'avez trouvé ou vous avez travaillé avec le label? Comment non, c'était quoi là? Le label n'avait rien à voir. C'était, créativement, il n'y avait rien à voir. C'était juste vous autres. Comme, vous je, trois, comme là. Je te disais, le label, c'était deux dudes qui ont eu un coup de luck avec l'album de Champion. Puis là, il était comme on va sortir d'autres trucs. Mais tu sais, on était en licence avec eux autres. Là, c'est quand même nous. C'est quand même là, nous, je pense que. C'est quand même nous qui payait pour produire l'album. Puis il faisait la merch, tu sais, il avait fait des chandails. Ça, c'était là, fou. Tout le monde en voulait des chandails. Puis là, on disait, ils veulent des chandails, le monde. Puis là, les autres, ils étaient comme, c'est trop compliqué, on va vous laisser le faire. Non, c'est là, ça. C'est parce qu'eux, ils étaient comme. C'est eux qui s'occupaient de la merch. Puis nous, on était comme, man, on en vend plein de la merch. On fait un show, on la vend toute. Il y en a plus assez. C'est comme, il faut qu'ils fassent des sizing. Là. Tu peux pas juste refaire tout le temps même chose. Il faut que tu penses avant. Si tu vends toutes les small puis les mediums, puis qu'il te reste des 2X. Refait pas la même quantité de 2X, refait comme plus de small, plus de médium. Puis là, genre, maintenant, on avait un meeting avec eux, puis on était comme, man, ils comprennent pas, ils veulent pas mettre d'argent d'avance, mais on les vend toutes à chaque fois. C'est ça. Puis on était comme, OK, on a un meeting avec eux, on va en profiter, on va essayer de glisser, genre, qu'on aimerait ça s'occuper de la merch nous-mêmes, mais ils vont jamais nous laisser faire. Puis là, on commence le meeting, puis là, à un moment donné, ils sont comme, ouais, tu sais, puis la merch, là, ça serait peut-être mieux si ce serait vous qui vous en occupiez tout seul. Puis là, on était comme, hein, quoi? Ok, on va s'en occuper de ça. On a tellement fait d'argent avec la merch. À vous, hein? Nous, on a fait notre argent avec les shows puis la merch. Là. La merch, c'était incroyable. Là. Dans cette époque-là. J'allais avec mon père, genre à Chabanel, genre, mettons, il paye en auto, puis il était comme, pourquoi t'en achètes autant, là, des chandails? Ils ont aussi, ma paque. Parce qu'on les vend, genre, ouais, quand j'ai fait mes. Tu sais, mon père était comme. Tu sais, il voyait, mais quand il a fait mes impôts, il était comme une année, là, il a fait. T'as-tu. Vous avez un manager ou quoi? Il croyait, là. À cette époque-là, on a signé avec un booker qui était presse pour faire gérer nos shows puis nos trucs. Puis, tu sais, eux, ils checkaient, puis ils étaient comme. Les gars, vous comprenez pas, là, c'est comme. Genre, nous, on book les trucs de métal aussi qui viennent ici, là, tu sais, les Iron Maiden, pis ces trucs-là. Tu sais, les fans de ces groupes-là, c'est des petites fans, là, qui, à chaque fois qu'ils vont voir un show, ils vont acheter un t-shirt, pis tout ça. Pis t'es comme, Iron Maiden, on fait un show, là, c'est comme, mettons, ils vendent 7 piastres par tête. Genre, 7 piastres par tête qui vient, c'est ça le rapport, genre, d'argent qu'on fait, genre. Pis vous faites 8 piastres. Fait que c'était comme, on vendait, mettons, plus que genre dans ces shows-là. Fait que, t'sais, des fois, on faisait des shows, puis genre, comme on emmenait de la merch, tout était vendu. Là. C'est comme on vendait fucking tout. On embarque sur stage au Metropolis, tout le monde a des casquettes, tout le monde a le chandail. Oui, carrément. J'avais fait des casquettes New Era back then, là, en 2007, là, des vrais New Era avec notre logo dessus, puis tout, en collab avec Love the Hook, puis genre. T'sais, on a raison à faire des millions. Là, on a tout sold out ça. Son premier show, là, ça a tout été vendu. Les chandails dansent la poutine, d'autres oublient ça. Là, c'est comme mais est-ce que vous avez vu que c'était à partir de ce beat-là ou avant que. C'est devenu vraiment viral que vous étiez comme OK. Danse la poutine, tu veux dire? Ouais, quand ça s'est sorti, un peu avant. Le merch a commencé. Le merch, c'est Danse la poutine que ça a commencé en vraiment fou. Là, parce que. Aussi, tu sais, Danse la poutine, c'était comme un genre d'inspiration, genre de Soulja Boy, genre, fait que tu sais, avec la danse, pis tout ça, pis on était là, fait que tu sais, il faut comme écrire en gros, mais c'était le génie de Teki aussi, là, de TTC qui était là, on fait ça, on fait une danse, pis tu sais, là, le plan, c'était que ça vienne fou partout, pis tout le monde fasse la danse, ça l'a pas fonctionné comme ça, mais ça l'a quand même marché au moins pour les t-shirts que... C'est ça, on avait printé, puis là, tout le monde voulait des t-shirts dans le clip, tu sais, on avait tous les t-shirts. Je sais même pas combien on avait vendu de t-shirts de Danse la poutine. À ce moment-là, vu qu'on voulait vraiment vivre la musique, comme on était quand même mindé beaucoup business aussi, genre, fait que c'est pour ça qu'on... Parce qu'on faisait un show, puis genre... On voyait qu'on faisait notre argent avec les t-shirts, fait que pourquoi qu'on... Tu sais, whatever combien de battes qu'on faisait pour faire un show, c'est comme... On pouvait vendre, tu sais, mettons, on avait fait des shows nationales, on avait fait, mettons, puis c'était nous qui les organisait. Fait que, on avait fait un show national, puis un autre la semaine d'après, parce que le premier était sold out, puis genre, on faisait le show, puis on vendait 6 000$ de merch, là, dans le show, là. Mais est-ce que le label prenait non, de l'argent plus, sur c'est le ça. Pas sur les merch, mais je parle sur une cote sur le show. Non. C'est le booker. Le manager. Fait que le booker, il avait son petit pourcentage. Pas de manager dans ce temps-là. C'est ça, mais le booker... Lui... Fait que le label, pas de manager, booker, tu donnes 10-15% pour le show. Le booker, puis vous avez tout l'argent du show et...
Et de la merch. That's crazy! Oui, on allait, genre, tu sais, en région aussi, là, on allait tourner à Québec, à Sainte-Thérèse, tu sais, partout. Puis on amenait un gars de merch avec, genre, des boîtes. Okay, vous faisiez ce show money avant, les shows, là. Les shows, là, c'est comme. Quand on partait en région, c'est comme on amenait une coupe de caisses, là, de grosses boîtes, là, de merch. Wow. On amenait une coupe, on allait faire notre show. On avait un gars qui fait des voilà, il en restait juste un comme 2XL, ah oui. Puis nos fans étaient comme genre jeunes, puis une petite fille, genre elle devait être haute comme ça. Il restait juste un 2XL. Elle avait le 2XL par-dessus son manteau d'hiver. Le chandail faisait par-dessus son manteau d'hiver. Si c'est le dernier chandail qui reste, puis la personne l'a acheté, là, on était ça, c'est le show qu'on a reçu le plus de brassières sur le stage aussi. Ouais, ça, c'est vrai, Lui, man, c'était un chick magnet, là. C'est genre les filles trippaient toutes sur lui. J'ai gardé, j'ai une grosse boîte remplie de brassières. Mais à un moment donné, on garde de robe dans le fin fond. Faut que les gens comprennent aussi. Ouais, parce qu'il y avait comme une boîte à moi. Ce show-là, genre, il y a comme. Toutes les filles ont pitché des brassières sur le stage. Puis là, qu'on avait une boîte avec après, comme plein de brassières avec les numéros de téléphone dessus. Ah ouais. Le lendemain, t'étais comme hello, ouais. J'avais de l'argent sur un bout. Ça a aidé. Ça, c'est ça. Un bout. Mais non, c'est ça. Tu sais, les shows en région, c'était comme ça prend un DT qui conduit, ça prend le gars de son, mais ça prend un gars qui s'occupe juste de la merch parce que, genre, il va en vendre en tabarnak la merch. Mais juste pour être clair pour les jeunes qui nous écoutent, c'est pas juste avoir commencé son groupe et avoir de la merch, penser que ça va vendre. Là. Non. Il faut avoir quand même ton marketing. Ouais, les gars, ils avaient la chanson avec la danse qui venait avec. Le branding. Là, ils ont fait la merch. Même, le branding. Les gars qui faisaient nos designs pour les t-shirts puis tout ça, tu sais, comme les gars avec qui on travaillait, c'était des gars de notre entourage qu'on adorait, mais c'était des gars qui travaillent, genre, qui sont des designers dans la vie. Là, à la qui base, travaillent, ça, qui travaillent en job. Pub, qui travaillent dans des trucs de même. Puis c'est ça, tu sais, eux pour eux, c'est comme, ah, oh, yes, je vais designer des t-shirts de rap. C'est comme, c'est vraiment plus le fun que de. Mm-hmm. Que de ben, c'est aussi le fun pour eux faire leur truc dans pub. Ça, mais à l'époque, on était tous habillés en streetwear. Puis tu sais, tout le monde, ils voyaient qu'on avait les affaires, c'est comme full cool, la mode. Fait que tout de suite, quand tu sors de la merch, ça fait dans la tête du monde, tu sais, l'association, c'est sûr que la merch, elle va valoir plus cher, tu sais, que si tu te présentes puis que tu portes genre des trucs qui valent comme 10 piastres, la tête du monde, ta merch, elle va valoir le même prix, genre, oui, c'est comme c'est créer un hype aussi alentour de qu'est-ce que tu vends, tu sais, puis pas le vendre 15 piastres, on vendait nos t-shirts 30 piastres, le monde, il comprenait pas pourquoi 40, c'est ça. Mm. Pourquoi? Ben, nous, c'était comme, ben, les compétiteurs, genre, de streetwear, c'est 40. C'est ça. Nous, notre compétition, c'est streetwear, c'était pas genre band de musique, c'est ça. Maintenant, c'est plus normal, je pense, d'avoir un band qui va vendre un t-shirt 40 piastres. Quand tu genre même dans le resell, c'est comme 400 pièces les hoodies. Dans ce temps-là, un t-shirt de Ben, c'était comme 20 pièces mettons. Puis nous, on était comme d'où? Un t-shirt streetwear, c'est, tu sais, j'achète un t-shirt Tendy ou j'achète un t-shirt whatever. Dans ce temps-là, Stussy, whatever, c'est 40 pièces. Fait que nous, on va vendre notre merch. Un t-shirt, c'est 40 pièces. Puis ça se vendait, là, on avait une association avec le Off the Hook. Le Off the Hook nous sponsait, là, à un moment donné, puis c'est genre... Pour ça, on avait tout le... une personne sur deux qui rentrait dans le Off the Hook, c'était un fan de Omnichrome, là, dans ce temps-là, je te jure. À c'est comme point. Eux, ils nous droppaient beaucoup d'argent, là, en merch par année, là. Off the Hook, hein? Ben oui, on avait genre... Ils n'avaient pas le choix. 20-30 000 piastres de linge par année, là, for free, là, parce que, genre, on amenait du monde dans la boutique. C'est une collabo, genre, c'est ça. On amenait du monde dans ce boutique-là. Là. Je me rappelle, c'était à Noël qu'on a fait le... On se des autogrammes, pendant le temps des fêtes, à un moment donné, on était juste... Harry of the Hook, t'es comme, hey, les gars, ça vous tente-tu de venir? Figure va mixer un peu de musique, puis vous autres, vous signez des autographes dans le magasin. C'est comme, on a passé toute la journée à signer des autographes tout le long. C'était comme, ça arrêtait plus, il y avait une file, là. Et c'est comme le monde, tu sais, il y a plein de kids qui venaient de région puis qui venaient à Montréal pour aller au Off the Hook parce que ils voyaient comme on était habillés, puis on vendait les danses de poutine en show ou au Off the Hook aussi, effectivement. Fait que c'est comme si tu voulais un danse de poutine, tous nos t-shirts se vendaient soit dans nos shows ou soit au Off the Hook. C'est vrai, tous les t-shirts. Boom commercial, comme j'ai dit. Fait que quand vous êtes sorti à cette époque-là, est-ce que vous diriez que vous étiez les plus gros vendeurs? Pendant un court laps. Pendant cette période-là. Dans cette période-là, ouais. J'étais mais pendant quoi, de quelle année? 2006. En 2006 puis 2008. La ville peut-être aussi, le aussi, qui était quand même, tu sais, il était pas alors plus big, mais c'était pas loin, mais vous étiez quand même assez. Je veux dire, on avait un buzz, mais tu sais, peut-être que leur, eux, ils demandaient peut-être plus cher en show, whatever. Parce qu'ils avaient déjà le nom. C'est ça, je pense que peut-être pour vendre des disques, peut-être qu'eux en vendaient plus. Notre crowd allait plus vers les jeunes à un moment donné.
années aussi. Ouais. Ben oui, c'était les shows, les merch et tout ça. Le monde puis, était comme. Souvent, on signait des disques copiés. Le monde était juste normal alors. En même temps, je m'en fous de signer un disque copié si le kid il m'achète un t-shirt et une casquette. C'est comme. Je fais mon cash pareil. Comme t'es venu au show, t'as acheté un billet. En masse. Déjà, à cette époque-là, on était comme. On peut pas aller contre le piratage et ces affaires-là. C'est comme le monde va copier les CD. Moi-même, je copie des CD. C'est comme. Napster. Tu peux pas aller contre ça. Tu peux pas aller contre ça. Mais dans ce temps-là, je suis pas dans le rap. Comme 2007, qui à part, mettons, Loco Locas qui pouvait remplir le Métropolis. C'est comme ça. Sans pression. C'est ça. Pas en 2007, je pense pas. Non, parce qu'il y avait déjà derrière mon sourire et tout ça. C'est puis c'est ça, mais tu sais, ces années-là, on faisait des shows, whatever, où on faisait un show à Montréal, c'était sold out. Là, si on jouait au Club Soda, c'était sold out. Si on jouait au Métropolis, c'était sold out. Si on jouait au National, c'était sold out. En région, c'était différent. Combien de dates que vous avez faites comme première tournée régionale, c'est combien de dates? On jouait toutes les fins de semaine pendant un bout. On jouait pas mal tous les vendredis, samedi, dimanche. Jeudi, vendredi, samedi. Mais on a vraiment, c'est ça, comme il dit, par contre, en région, on a fait tous les styles. On a fait devant plein de monde, on a fait devant personne, dans des chalets de ski devant 5 personnes. Mais vous étiez payé styles. On était payé styles, puis nous, on avait quand même la mentalité genre de. Toujours se donner à 100%. S'il y a genre 1000 personnes, s'il y a 5 personnes, les 5 personnes qui étaient là, au pire, ils sont malaisés au début, là, c'est quand. Hein, ils ont payé. Ils ont eu le show de leur vie, là. C'est ça, ils ont payé. Full personnel, là. Après, quand ils vont en parler, genre, pis tu sais jamais, des fois, il peut avoir un promoteur dans la salle. Puis là, ils vont dire, ils sont pas professionnels. C'est jamais qui te regarde. Exact. C'est ça, nous on se donnait tout le temps à fond, puis c'est ça, tu sais, en région, comme tout le monde qui a tour en région le sait, là, c'est comme, si t'es moindrement que t'as un buzz, tu peux tour en région, mais comme, ça reste qu'il y a des places qui sont plus rough que d'autres, là, pour jouer, là, il y a des places qu'il y a pas grand monde qui vont venir, il y a pas tant de promos, tu joues dans un petit bar un peu tout croche, puis ton backstage, c'est un fond de placard, puis tu sais, des shit de c'était comme une plus pire expérience dans un show de région, t'es comme, oh my god, that was a mess. Un show de ça, région. C'était vraiment. Mais celui-là, tu viens de dire ça, je pense à Val-d'Or, puis notre backstage. Tu sais, dans ce temps-là, on voulait pas se mêler au monde. Ah, dans le bar où il y a les chambres en haut. J'étais sur le Val-d'Or. Oui, il y a le bar, puis les chambres sont en haut. Alors, dans le bar. À côté, c'est un seul bar. Puis le backstage, c'était le garde-robe, puis on avait resté toute la longue. Tu sais, les trois, mais vraiment comme ça. Le gars, il ouvrait la porte, puis il était comme, vous voulez pas sortir? Là? Hey, tu voulais pas nous amener du catering, s'il te plaît? C'est ça, le gars, il était comme, vous allez pas rester dans le. C'est le seul placard. C'est ça qu'on a comme place, c'est comme le placard où est-ce qu'ils mettent le manteau. C'est comme chill. On s'est accordé, on va rester là. Parce qu'avant un show, j'ai tout le temps besoin d'être seul, on dirait. Ça, c'est le backstage. Nous, on est tranquille. Il avait un show là, comme on dit pas un mot, une fois les promoteurs sont inquiets là, c'est genre êtes-vous sûr que vous êtes correct, on est comme ça sur les sofas, tu sais, full relax, ben oui, genre moi je suis là puis genre je cale des drinks et ça, puis on parle là, pas trop, ok, vous chose, êtes là les gens d'artistes qui étaient comme ils sont bizarres, très tranquille, ces gars là c'est ça, le gars il est comme, man, je les ai bookés, puis ils sont dans une mauvaise journée là, ils vont, le show va sucker, finalement une fois qu'on arrive sur le show on flip, puis là on arrive dans notre mindset de on est en show, on drop toute l'énergie, mais sinon juste avant, je suis comme, je suis tranquille, j'ai pas envie de gosser avec du monde, j'ai pas envie de m'énerver avant, là, je garde l'énergie pour quand je suis sur le stage. Après, on était plus relax, là, c'est ça. Ouais. Puis là, vous avez fait. Après ça, je vais partir. Comme pour la télévision. Ouais, après, on a fait comme ça. Comme à la télévision. Comme à la télévision. Ça, c'est pas mal. C'était à cette époque, c'est comme le downfall un peu de notre popularité, en fait. Non, mais là, vous avez comme un track avec Cœur de Pirate. Ouais, ouais, on a fait un track avec Cœur de Pirate dessus. Là, c'est ça. C'était une bonne chanson. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Ah, ouais, c'est ça. L'autre fois, on a fait une émission radio. Puis le gars, il était tellement dit sur la chanson. T'es comme, ok, ben. Ça, c'est 2009. Puis Cœur de Pirate était hot déjà? Ouais, commençait à être quand même hot. Là. Puis, on connaît Béatrice depuis. Avant qu'elle sorte ses trucs un peu. Là, elle avait un autre groupe, dans le fond, c'était Bonjour Brumeur. Puis nous, on était aussi dans comme scène locale. Comme, fait qu'on l'avait. Fait que vous êtes en relation avec elle. Nous avons une relation avec elle jusqu'à présent. Ouais, on la connaît encore. Puis, là, dans ce temps-là, c'est ça, on voulait faire une tournée ensemble. Puis tout. Puis là. Mais tu sais, c'est un album qu'on trippe pas tant que ça sur cet album-là. On n'était pas dans un bon mindset quand on l'a fait. Ça, si on parle du deuxième album. Ouais, le deuxième album avec Saboteur, dans le fond. Ok. Genre, c'est comme l'album. Sabotage. Ouais, mais c'est comme l'album que tu viens de faire ton premier album, c'était fucking gros. Puis là, t'as comme. On était comme un peu dépassé, fatigué. Cette pression, mais en même temps, dans ta tête, t'es comme, ok, là, j'ai fait cet album très pop.
Là, je veux faire quelque chose de moins pop. Je veux expérimenter, ouais, faire. Ça, je retourne à mes racines de spoken words. Ouais. Ben oui, on avait une tune. On avait une tune être abstrait 2.0, tu vois. Abstrait. Il y avait une tune à la place. Source. C'est ça. Attends, exact. Je vais te prendre un peu de petit courvoisier. Il y a un petit. Thanks, mon gars. Fait que le deuxième album qui s'est passé. C'est ça. Fait que commercialement, tu sais, on avait en plus un bon hype, tout ça, mais tu sais, ça l'avait moyen marché. En plus, qu'on était, mettons, comme moins dedans. Jean-Bart, ça avait blessé, fait qu'on pouvait pas tourer. Non, c'était pas là. Ouais, c'est après vrai. Qu'on l'ait sorti, par exemple. C'est ça. Ouais, après qu'on l'ait sorti, mais tu sais, le momentum, il y a vraiment comme. Puis justement, les fans, eux, ils voulaient entendre au pays encore du Trop Banane. C'est ça. Mais lui, on était. Peut-être, tu sais, je te dis, moi, j'étais blasé un peu, là. J'étais comme dépassé. Vraiment dépassé. C'est chicané. Oh, chicané. Oui, oui. Hey, parlez-moi de ça. T'sais, genre, mes meilleurs amis dans la. Parlez-moi des Beatles kind of shit. That John Lennon Paul shit. C'est ça qui était rough, parce que c'est comme, tu sais, t'es comme. T'as grandi en sauce italienne. On avait un gérant aussi à cette époque-là. C'était très différent, parce qu'avant, on décidait tout le temps à deux avec, à trois avec Figure. Mais là, le gérant, il décidait autant. À partir du premier album, c'est ça que vous avez. Après le premier. Après, pour comme à la télévision. Ouais. Parce que là, c'est ça, tu sais, on était comme, on pourrait rentrer dans le game des subventions, toutes ces affaires-là. Tu sais, comme, avant ça, on était comme, tu sais, remplir des subventions, puis tous ces trucs-là, j'étais comme. Ouais. On avait compliqué. Un contrat avec Roger à cause de ça. Oui, c'est ça, tu sais. Oui, le gérant nous avait pogné un contrat avec Roger. Ok, vous étiez comme, écoute, ça, c'est qu'est-ce qu'on a accompli tout seul. On veut aller à l'autre niveau. On a besoin de quelqu'un dans l'industrie pour nous amener des gros checks. C'est ça. Il a quand même fait. Puis, c'était un gars qu'on connaissait un peu parce qu'il traînait avec des bands locaux aussi. Yeah, puis, on était comme, confiance. OK, c'est pas un gars de rap, mais genre, c'est un gars qui est chill quand même. Puis, qui a l'air de connaître son truc. Oh, ouais. Il nous a fait des bons moves. Là, comme il disait, là, il nous a placé. On a fait une toune pour Rogers, pour une pub, puis après, là, ouais, c'est dans les 5 chiffres, là, puis après ça, on était dans pub aussi, en plus d'avoir fait la toune pour la pub, puis on avait un sponsor par Rogers aussi, là, on faisait des études cellulaires, c'était des études BlackBerry dans le temps, mais genre des études cellulaires avec un brand de linge, puis genre brand de linge, nous autres, puis Rogers, puis genre... Comme ça, c'était du merch qu'on donnait en show, des enfants de même. Puis, tu sais, Rogers sponsorait aussi. On avait une série web avec 33 Mag. C'est 33 Mag, yo. 33 Mag dans le temps. Back then. Oui, 33 Mag qui était un peu la seule web télé dans le temps. Web télé. 2007, 2008, c'était nice. J'aimais bien 33 Mag, man. Puis, on avait une série web backstage avec Omnicron. Puis c'était présenté par. C'était 33 Mag qui produisait, présenté par Rogers. Puis Télétoon la nuit. C'était Baz qui l'avait produit. Oh, check mes souvenirs, man. Baz qu'on a emmené en tournée. Baz qui produit la moitié des clips à ce temps. Il y en a produit. Mais c'est lui qui fait aussi la fin des faibles, c'est lui le réal de la fin des faibles. Ah ouais? C'est Baz qui réalise ça, qui était un gars de 33 Mag avant. C'est lui qui a réalisé le clip de Danse la Poutine. Ouais, c'est son premier clip. Son premier clip à vie. Puis check comment ça a été viral. C'était son premier clip à vie. Puis là, maintenant, il en a fait plein pour À la Claire, puis pour White Bee, etc. Mais c'est ça, fait que lui, on l'emmenait avec nous en tournée, puis il documentait nos tournées backstage, puis comme les affaires weird qui arrivaient, puis tout ça. Puis fait que là, c'était une série web qu'on sortait justement l'épisode par épisode, sponsé par Rogers, puis Télétoon la nuit. Fait que tu sais, on a eu des shit de même qui étaient nice, qui étaient fait avec. Grâce à l'agent. C'était un peu grâce à l'agent. En même temps, 33 Mag aussi, c'était. C'était tout le monde qu'on connaissait. C'était genre, comme c'était nos boys, puis tu sais, genre moi. Mais lui, il avait pogné la plug de Télétoon, dans le fond, l'agent, tu sais, mettons. Fait qu'il avait comme. Fait que là, on avait plus de budget, évidemment, parce que Télétoon mettait du budget. C'est ça, puis c'est ça. Fait que tu sais, il y a eu des bons coups, des trucs de mais même. C'était plus des musicalement, quand on tournait. C'était vraiment rendu musicalement, là, vraiment moins inspiré, puis on avait plus de fun. Fait que c'était comme un peu genre. C'était le côté musical que ça marchait. Moi, ça m'aimait. C'était comme rendu vraiment une compagnie, puis on dirait, tu sais, comme j'étais pas prêt à ça. Puis c'est là que vous avez eu votre beef. Ouais, mais tu sais, c'était pas. C'était un beef, mais c'était pas un gros beef. Mais tu sais, c'était pas un beef de genre, on en parle pas tant. Tu sais, on était comme, on faisait l'album. Mais les deux n'étaient pas exactement sur la même ligne.
Puis là, on faisait des compromis les deux. Puis genre, on savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait avec ça au final. On a un peu la grosse tête, là. C'était la première fois que ça arrivait, en plus. C'est ça. Ouais. Parce que vous avez fait deux hippies, l'album. Puis là, c'est comme la première fois. Les amis d'enfance, on a habité ensemble aussi à Montréal. On était genre vraiment meilleurs amis, là, tu sais, comme à 16 ans. Genre, on faisait trop de cops. Vous faisiez trop de cops. C'est ça qui est arrivé. When money comes. C'est ça, c'est vraiment. GBE fall, Dipset fall. When money comes, shit happens. C'est vrai. C'est ça, mais il y a eu plein de bouts qu'on s'entendait pas sur des affaires parce que, mettons que le gérant il était comme, ok, ben là il faudrait faire ça parce que là on va avoir plus d'argent si on fait ça. Puis là, mettons que lui il était comme, ouais, je sais pas si je suis down. Puis là, moi j'étais comme, ouais, je veux pas de l'argent. J'ai besoin d'un grill. Fait que tu sais, on avait comme des divergences sur des trucs. Ça faisait que, au final, ce qu'on faisait, ni un ni l'autre était tant content, mais on était juste comme, ok, faut le faire, faut le sortir. C'est ça. On a fini cet album-là. Ça l'a droppé. Vous étiez même pas satisfait de votre propre produit. On l'avait pas, puis on a tellement mis d'argent cet album-là. Genre wreck des masters genre trois fois là, dans des studios différents, t'sais, des trucs ridicules maintenant que genre on wreck, mais maintenant on wreck dans des. Mais est-ce que vous avez enregistré cet album là dans le même studio ou vous aviez maintenant like, des studios qu'on vous recommandait genre? Non, ben on l'avait enregistré au début dans un studio sur Saint-Laurent, puis après ça on l'avait réenregistré, on l'avait fait dans une maquette après on l'avait refait avec là, on trouvait que les beats allaient pas assez loin, les beats que on avait vraiment overthink c'était trop pensé là, c'était trop passé trop. C'est justement avec du recul Omicron, qu'est-ce que le monde aimait, c'est que c'était la spontané, c'est ça, c'était spontané, le vibe et tout, whatever. T'sais, là, on s'était mis à travailler justement avec 6-2 puis Adji, qui était comme un genre de rapper canadien qu'on trippait dans le temps. Mm-hmm. Que là, il était rendu à Montréal. C'est un gars qui vient des Maritimes, je pense. Puis en tout cas, c'est comme là, il était rendu à Montréal. Puis là, lui, puis un gars de comment ça s'appelait son band à Adji? Tu te rappelles-tu? À quoi? C'était Wolf Parade. Wolf Parade, c'est ça. En tout cas, un gars d'un band genre un peu rock, genre full Arcade Fire style, tu sais, que la critique trippait sur eux autres, tout ça. Fait qu'on était comme, ok, c'est ces gars-là qui vont work, qui vont arranger les tunes. Mais c'est ça, on a donné un produit qui était vraiment pas bon, genre, c'est ça. C'était pas bon, là. Ça, c'était le dernier projet? Ça, c'est comme Intellivision. À cette époque. C'est le dernier vrai album. Là, il est sorti comme en 2009. Là, c'est ça. Fait que, on faisait des shows encore, puis on était parti dans des concepts. Là, avant, on faisait nos shows, c'était chill. Là, on était rendu, on faisait des shows. On a une soucoupe volante, le stage. C'est on l'a mis une fois, là, après, on était il faut la traîner à chaque fois. On l'a mis plus qu'une fois. Ça marchait, ce concept-là? Où les fans étaient comme, what the fuck? Je sais pas si ça changeait tant d'affaires que ça. C'était plus du trouble pour rien au final. Puis genre, c'est ça. Fait que, tu sais, le beau du DJ était tout déguisé en genre de soucoupe volante, blablabla. C'était l'époque aussi Kanye West qui faisait des choses tellement fous. Fait que vous étiez inspiré. On aurait aimé step up à ce niveau-là, mais on n'a pas eu le budget. Même si on a eu le budget, on avait des idées de grandeur aussi. C'est ça. Puis ce que tu catches pas aussi, quand tu fais tout seul, c'est que genre, tu peux pas faire tout seul si t'as des idées de moi. Kanye West, c'est pas lui qui design, qui fait la conception scénique puis toutes ces affaires-là de son show. Là. C'est pas lui qui pense à tout ça. Là. Mais c'était quoi le temps d'intervalle entre le premier album puis le deuxième album? C'était 2007 puis 2009. 2009. Mais c'est comme si, oui, dans le sens que je comprends un peu votre move, mais tu sais, il y a le côté où on dit on ne change pas une formule gagnante, puis il y a le côté aussi, il faut qu'on se rebrand à chaque 3 ans. Ouais. Fait que peut-être vos fans n'étaient pas prêts à ce changement rapide-là. Mais aussi, c'est parce que la fin aussi, c'est que on voyait aussi que, tu sais, on se mentait pas non plus à nous, on voyait que c'était quand même une formule qui était populaire à cette époque-là, mais tu sais, que c'était un genre de mode aussi. Ouais. Tu sais, c'était comme. Fait qu'on voulait tout de suite faire le switch, mais. Je pense qu'on aurait dû y aller justement avec un autre de genre-là, puis tu sais, laisser les gens décider eux quand que c'était fini, au lieu de, tu sais, d'aller trop vite, vous allez faire. C'est comme une secte, vous allez nous suivre, on vous amène. On veut des fans comme ça maintenant, tu sais, on était trop Parce que quand les personnes venaient à vos shows, ils étaient habillés, ils avaient une case, tu sais, c'est comme si, c'était un mouvement, puis c'est rare. T'sais, j'essaie de me rappeler c'est quel groupe qui a pu créer un genre d'audience qui était littéralement rentré dans le branding d'un groupe que vous avez littéralement genre design. Fait c'est quand même quelque chose qui comme avant-gardiste, mais ensuite c'est d'essayer de voir comment on peut évoluer avec le crowd au lieu d'imposer avec le crowd. Je pense que ça arrive des fois là, les bands qui sont comme
sont comme ok, on a fait ça, c'était trop commercial, maintenant on va faire quelque chose de plus indie whatever. Puis finalement c'est comme c'est tout croche, flop. Puis, c'est ça se peut que ça marche, mais nous ça a pas marché. Non, c'est ça. il était pas bon l'album. Puis après ça vous avez lâché prise. Mais après moi j'ai fait un mixtape aussi, genre sur solo. Ouais, solo, c'était le début de break up de SoundCloud. Non, on est c'est genre bon, il m'enregistrait mais c'est moi j'avais arrêté. Moi j'ai eu un kid dans cette époque là aussi, genre 2010, j'ai eu un kid. Avec une DJ, je pense. Hein? C'est toi qui as eu un kid avec une DJ? Ben, t'es pas DJ à cette époque-là. Là, ok, mais, ouais, DJ, ouais. Puis, t'es devenu DJ après. Ok. C'est ça. Puis, genre, tu sais, à cette époque-là, c'est comme j'ai eu mon kid, 3 mois après, je me suis cassé le genou, genre, fracture. Oh, puis shit, ok, ça, rien ne va plus. En jouant au hockey cosum, là, genre, j'ai pilé sa palette d'un gars, puis ma jambe a plié de même à l'envers. Ça faisait fucking mal, mon gars, j'ai jamais eu mal dans ma vie. Fait que là, on a annulé les 6 mois de show qui s'en venaient, puis là, on était, en même temps, c'était juste comme, bah, tu sais, on a annulé les shows, bah, on fait juste comme arrêter. On a juste arrêté de même, dans le fond. On a comme annulé les 6 mois de show, puis après ça, on a juste jamais rien fait d'autre. Aussi banal que ouais, ça. Ouais, c'est comme, tu sais, moi, j'ai eu mon kid, là, je me casse le genou, là, je suis comme, bah, on annule les six mois de show parce que, genre, je vais pas faire le show en béquille, là, ou en chaise. T'aurais pu mettre un plat, puis t'aurais fait que ça, les fans auraient déliré. Oh, regardez le concept de Jean-Bart! Puis après ça, on a juste jamais essayé de faire d'autres shows, de trucs comme ça, ben, à cette époque-là, là, c'est ça, tu sais, on a arrêté. Puis il s'est mis une couple d'années après à faire ça. Mais moi, je l'ai fait un mixtape parce que, genre, j'étais trop pas satisfait de comme la télévision, puis tu sais, genre, je voulais vraiment faire quelque chose pour me libérer de. Je voulais absolument sortir quelque chose que je trouvais nice. Fait que là, j'avais sorti un mixtape solo. Puis par la suite, comme en 2012, là, moi puis Jean-Bart, on voulait absolument sortir quelque chose d'autre que comme à la télévision. Fait que là, on a sorti un album pitché dans le wow. Ouais, ben c'est un album indépendant, complètement indépendant sur internet. Ouais, un mixtape dans le fond. Un mixtape parce qu'il y avait. Vous étiez plus en contact avec l'autre label. Avec personne. Non. Même le DJ, lui, il était parti, il était rendu, il habitait genre à Saint-Eustache ou quelque chose. On trippait genre sur le genre de cloud rap dans ce temps-là, genre où Lil B. Lil Bass God, c'est ça. Okay. On était à fond là-dedans, puis on aimait les nouveaux producers qui s'en venaient. Tu sais, c'est le début de A$AP Rocky aussi. Puis A$AP Rocky, c'était 2012-2013. Ouais, c'est ça. Clamp Casino, le son. Clamp Casino sur le mixtape, on a un beat de Clamp Casino. Jure, ok. Ouais. Mais c'est pas un beat. Non, pas un vrai Clamp Casino. Mais c'est sur le son, un genre de vibe. On a repris un beat de Clamp Casino. On a repris un Clamp, c'est ça. Mais High Classified a produit dessus. High Class, c'était aussi le temps. Mais c'est ça, dans ce temps-là, High Class, il était pas connu. C'est ça, il avait produit un beat. Mais c'était le temps de Hard Beats. Fait que sur Pitcher dans Loire, puis Tommy Cruise aussi, vous avez vu. Oui, mais en fait, on avait connect avec Tommy Cruise, puis tu sais, on avait un blog dans ce temps-là aussi avec nos amis qui s'appelait 10 kilos. Moi, j'écrivais pas tant dessus. Je pense que j'ai peut-être fait une fois un truc dessus, mais whatever. Un blog qui parlait de toute cette scène de rap-là, là, le rap un peu plus. Le rap au complet, là, ça. Genre ça permet. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Puis là, Tommy s'était mis à écrire là-dessus. Puis on avait connecté avec Tommy. Puis là, on trippait. On adorait Tommy parce que c'était un gars qui a trippé ça. Tu sais, il connaissait tout du South. Là. C'était genre comme c'est il adorait ça. C'était un nerd de musique. Là. Fait qu'on avait full connecté avec Tommy, c'est devenu notre boy, puis tout ça. Puis il a fait des beats pour nous. Puis là, quand on était comme, tu sais, y a-tu d'autres mondes qui font des beats nice dans ce genre-là? Puis il était comme, bah. On parle de 2012-2013. Là, 2012, parce qu'on a dit, ouais, ça, on l'a sorti fin 2012. Fait que, tu sais, mettons 2011-2012, là, il était comme, ah ouais, il y a les gars de À l'aise, genre, que c'est genre High Class, Dappy, ces gars-là. On est allé chez High Class, genre chez sa mère, genre. On était connecté avec High Class. Chez Dappy ou chez. Chez Dappy aussi, on est allé. On est allé après chez Dappy. Mais il était jeune, là, il avait genre 19 ans, lui, dans ce temps-là. J'ai grandi avec Dappy comme deux. Ah ouais, il avait comme 6 ans, 7 ans, là, puis j'étais proche avec sa famille. C'était où? Je pense que c'était à Bois-Briques. Ouais, ils avaient déménagé dans ce collège. Ils étaient à Laval, après, ils ont déménagé. C'est ça, ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Fait qu'on allait chez High Class. C'était tellement nice. Puis tu sais, justement, là, à ce temps-là, on est tellement heureux, genre, de faire du rap. Puis ça, c'est à ce moment-là que j'étais content aussi de. Comme essayer les gens de promote genre des nouveaux, c'était comme nouveau pour moi aussi, de, genre ben, pour nous dans le fond, de comme collaborer avec des nouveaux venus, genre, puis en même temps ça nous met genre sur la, tu sais, comme ça nous rend actuel quand même, tu sais, vu que eux sont c'est les nouvelles, t'avais le son actuel, c'est ça, ouais, mais tu sais, en même temps, c'est ça, on était comme,
son, il était full jeune à cette époque-là, mais il avait un son fucking fresh. Là, pis, mm-hmm. C'était sûr qu'il allait se passer de quoi. Là, ça, genre, comme, ils sont pas connus encore, mais genre, ils vont finir par être connus, ces gars-là. Ils sont fucking bons. Ça, ça pas, moi, je travaillais à Musique Plus aussi en même temps. Je faisais... Ouais, pour Monsieur Net. Monsieur Net, exact. Je suis un gars de jeux vidéo, comme je disais tantôt. Fait que je faisais... Tu sais, à m'emmener à Talbot? Ouais, avec Talbot. J'ai fait 5 ans avec Talbot à l'émission. C'est lui... À un moment donné, j'étais comme, tu sais, on allait tellement souvent à Back Then à Musique Plus que moi, j'étais juste comme, hey, j'aimerais ça, comme, faire de quoi à un moment donné, puis Talbot, puis tout. Puis là, il était comme, ah, envoie-moi un démo de toi qui fait une critique de jeu vidéo, voir, là, puis on va voir. Puis là, j'avais envoyé une démo, puis là, il était comme, ah, ouais, viens-toi dans l'émission. Fait que là, j'ai fait l'émission avec lui pendant un bout. Puis c'est ça, fait que je sais même plus où c'est, je m'en allais. Non, mais c'était une bonne plug pour en parler, parce que je l'avais dans mes notes, justement. Que tu travaillais pour Monsieur Net à Musique Plus. T'as fait 5 ans. Fait, ils ont quatre le check. Hein, pendant 5 ans, t'as travaillé. Quand même, tu faisais du Cop Musique Plus. En t'étais plus. Dans l'émission? Ouais, parce que j'écoutais, j'écoutais ça. Ouais, ouais, je faisais des chroniques de jeux vidéo. Attends, il faut que je réécoute ça. Parce que si c'était toi, non, ça, oh, non, j'écoutais ça là. Oh, ouais, non, j'ai fait ça. Les ok, c'était toi. Ouais, j'ai fait ça là, j'ai fait une autre émission à Musique Plus qui s'appelait Débat Critique avec genre Nicolas Titley puis ah oui, comme vrai, ça où est-ce que ça, genre à chaque semaine on débattait sur l'actualité musicale, c'est genre Madonna a fait tel truc, ouais, que ouais, pensez-vous ouais. Fait que là, on, dans le clan gauche, eux sont pour, eux autres sont contre, puis là, on débat là-dessus, mais ça ça a pas duré tant longtemps. Mais Monsieur Net, j'ai fait longtemps, là, c'est ah ça. Ouais, oh, c'est une grosse émission, là, Monsieur Net, là, pour ouais, les, pour les vrais gamers, c'est ça, là, quand... là c'était notre référence. Moi, quand j'ai là. Arrêté, quand j'ai arrêté la musique, puis je venais d'avoir mon kid, j'étais comme, yo, il faut que j'en soule, là. C'est ça, là. Il faut que l'argent rentre, j'ai un l'argent, kid, l'argent, les t-shirts ne rentrent plus. C'est ça, j'étais comme, il faut que j'en soule, fait que j'étais comme, je suis fait aller mes contacts, j'ai fait, allé, j'ai fait des trucs à Musique Plus, j'ai écrit pour Vice, j'ai fait des trucs pour le nightlife back then, j'ai fait... j'ai même écrit pour le blog de Télétoon dans ce temps-là. Ah ouais, ouais, aussi, ouais, Télétoon. T'es rendu un blogueur. Ben, j'étais comme un chroniqueur, dans le fond. Ouais, même encore maintenant, je fais encore. J'écris, là, je le fais pas souvent parce que je travaille trop, mais genre, j'écris pour Pays sur Start, qui est comme le site de jeux vidéo de Québécois. Je fais des chroniques à On dira ce qu'on voudra avec Rebecca McConnell à Radio-Can, une fois de temps en temps, quand j'ai le temps. Mm-hmm. Puis c'est ça, je continue à faire ce chronique game. Là. Mais est-ce que le deuxième album, vous pouvez dire, ça vous a comme traumatisé musicalement? Ben, pas traumatisé. Ben, à cette époque-là, ouais. Là, parce que le 2012, vous avez dit, vous avez sorti un album indépendant, ouais. On dirait que ça part. Ben, c'était comme vous le dites, j'ai comme, I don't remember it. Non, c'est ça, c'était vraiment. C'était un mixtape. C'était juste pour c'est nous, ça, genre. Mixtape, okay, c'est ben, genre, on sort le mixtape sans promotion, mais tu sais, il y a comme, c'est ça, il y a personne qui l'écoutait. C'est mais, ça. Mais c'est vrai. Parce que j'étais comme, vous me parlez de ça, ouais, c'est vraiment arrivé. C'est vrai. Tu sais, c'est pitché dans le wild. Tu checks sur YouTube, mettons, on a fait. On avait toutes fait les clips. Toutes les tunes sont faites en clip, genre base, justement, là, comme qui est notre réel ami, là, qui est notre ami réel, il a fait comme, OK, on va faire un clip. Il était comme, tant qu'à faire un clip, pas de budget, on va clipper toutes les tracks de votre mixtape. Fait qu'on a fait tous les clips du mixtape. Une journée. Jure, puis c'est sorti. Oh, ouais, c'est sur YouTube. Toutes les tracks du mixtape sont en clip. Il y a une track que c'est genre, il y a une track qu'on reprend genre un beat de Soul Pleureur de Domatic. Ah mais ouais, avec screw un peu screw and chop le beat, là. Puis, mais c'est ça, c'est comme, tu sais, on a fait tous les clips dans la même journée avec Dappy, High Class. Mettons, si c'est un beat, ben, non, je pense que tout le monde est là dans toutes les tunes. Ouais, tout le monde est là toutes les tunes, c'est juste comme si t'étais là pendant deux heures, ben, tu t'étais là pendant qu'on faisait les clips. Pourquoi vous n'avez pas repris la formule du premier album? C'est ça que je sais pas, mais dans ce temps-là, dans ma tête, je suis comme OK, comme peut-être vous avez évolué, mais on voulait pas nécessairement faire un comeback commercial, c'était vraiment juste comme faire de la musique parce qu'on aimait pas musicalement, mettons comme à la télévision, fait que c'était vraiment comme musicalement on voulait faire quelque chose qu'on avait musicalement aimait, on était plus genre OK, ça fait mettons 3 ans qu'on a pas fait de musique ensemble, genre ça serait chill de faire des tunes, mais genre faut que ça soit genre juste
pour le love de faire des tunes. Fait que à ce moment-là, on était full dans le cloud rap et ces affaires-là. Mais tu sais, on avait eu un mini buzz, mais tu sais, il aurait peut-être il aurait fallu qu'on mette beaucoup plus d'efforts par la suite. Là, on a juste fait ça, mais. Parce qu'il y avait des fans qui vous attendaient quand même. Ouais, on était full contents pendant qu'on faisait l'album. Puis qu'on, ben, ce il y a quand même du monde qui l'ont aimé. Puis tu sais, encore une fois, du monde qui me dirait, oh, moi, je l'aime. Puis tu sais, dans le wild, c'est tout le temps spécial pour moi. Mais il y en a d'autres qui sont comme non, on n'aime pas aussi. Ouais, comme à la télévision, il n'y a personne qui l'aime, je pense. Mais le pitcher dans le wild, on a juste des commentaires positifs parce qu'il n'y a pas tant de monde qui l'a entendu. Ça fait que les 8 personnes, c'est comme shout-out. Les 8 personnes m'ont adoré. Exact. Ces 8 personnes l'achèteraient s'ils se vendaient. Mais non, c'est ça. Puis tu sais, on était juste comme, on se fait un mixtape en le temps de quoi, un mois à deux, whatever, je sais pas combien de temps ça a pris. C'est ça, c'était 2 mois. Juste genre, comme, on le fait, on a du fun en le faisant, on fume des bats, c'est chill, puis genre... Tu sais, on était ailleurs dans notre tête aussi, là, dans le sens que, tu sais, t'es comme, là, on avait pas, tu sais, de vrai job, on était all-in à faire juste la musique. Fait que là, rendu là, c'était comme, tu sais, je voulais pas me remettre all-in dans la musique, dans le fond, fait que, tu sais... C'est ça qui nous a fuck up un peu. Fait qu'on build, tu sais, notre vie à côté, dans le fond. Ce qui a fuck up à la fin, quand c'était devenu trop une business, un peu, là, tu sais. Ouais. Tu sais, quand tu passes, quand on a commencé sur le côté de quelque chose d'autre en même temps, tu sais, comme ça, mais... Quand tu commences, tu sais, quand on a commencé avec les premiers EP, c'était genre, on le fait pour le fun, on a notre job de merde à côté. On a une passion pour... C'est ça, tu sais, on a notre job de merde à côté, puis on le fait pour le fun, puis c'est cool. Puis là, après, quand ça devient trop une business, puis que là, tu dépenses juste de ça, mais là, même si tu sors un album qui marche moins... Ben, il faut quand même que t'ailles faire les fucking tournées dans les cégeps. Là, il y a plus personne. Les tournées dans les écoles. T'en vends moins de t-shirts. C'est ça. Si on faisait des shows. On faisait des shows en Saskatchewan, puis en Alberta. Ça, c'était nice, par contre. Genre. Puis, tu sais, à ce temps-là, genre, c'était bizarre. Mais, tu sais, Figure 8, il venait plus dans ce temps-là en show. Puis, on avait un autre DJ que c'était notre gars de son, mais il avait une barbe aussi. Puis, là, lui, on disait que c'était Figure 10. Puis, quand on vendait des t-shirts. Il signait Figure 10, des posters. Signait Figure 10 à côté de Figure 8, c'était vraiment drôle. Wow! Mais ouais, tu sais, ça c'était vraiment la fin qu'on faisait des trucs corpo, tu sais, comme juste pour du cash. C'est ça, t'as pas le choix de les faire pour faire l'argent. En changeant de vie. Là, fait, est-ce que vous pensez que peut-être le fait d'avoir été peut-être avec un agent puis continuer avec le côté très freestyle, très artistique, aurait fait en sorte que c'est comme. Il y aurait eu moins de certitude, moins de gros deals, mais vous auriez été comme focus sur le craft, la musique. Puis faire des trucs qui auraient été vraiment focus sur les fans. Parce que vous, on voit vraiment votre game plan, c'était comme les 10, les fans, les 10, les fans. Comme on disait, je pense qu'il était bon, notre agent, mais tu sais, encore une fois, dans un monde parfait, j'avais pas de guidance, tu sais, comme c'était dans un sens, c'était comme tout était trop, genre. Fait que tu sais, si j'avais eu quelqu'un que de l'extérieur m'aurait dit, tu sais, si tu fais ça, c'est correct. Si, tu sais, à ce moment-là, je l'aurais plus écouté dans le sens musicalement, justement, quelqu'un qui m'aurait dit, tu sais, si tu fais comme à la télévision, c'est complètement différent de ce que tes fans demandent. On peut pas sortir ça. C'était rough comme, aussi, je trouvais, d'avoir... Par nous-mêmes, on n'était pas capable de le voir. Même en ce moment, je trouve ça rough aussi. Tu sais, comme avoir un gérant... Tu sais, un gérant, il faut que ce soit quelqu'un que tu trosses vraiment. Ouais. Puis genre, avoir un gérant qui connaît le milieu dans lequel que t'es, je pense que c'est important. Puis c'est comme, c'est rough. Comment faire de l'argent? C'est rough de faire la balance en genre, est-ce que je trouve quelqu'un qui est... fucking professionnel, mais puis comme je pense qu'il est bon, mais genre il connaît pas tant le rap game, ces affaires-là, ou genre je vais avec quelqu'un qui est full rap, pis tu sais, dans ce temps-là, il y avait pas des gérants tant rap. Exactement. C'était comme, j'étais comme, tu sais, je connaissais personne qui était gérant, pis tout ça, là, c'est comme. Fait que j'étais comme ça prend un gérant, j'aimerais ça que ce soit quelqu'un qui connaît le rap game, mais c'est là, c'est comme, ok, on va y aller avec un gars qui est bon, mais genre après, c'est comme, t'as tout le temps les discussions que comme t'es pas sur le même level que l'autre personne sur des tops, parce que genre si tu y parles de quelque chose, il va pas comprendre tant que ça nécessairement de quoi tu parles, tu sais, il écoute pas de rap, il suit pas la scène, il sait pas c'est quoi. Fait que c'est comme, tu sais, là t'es comme, ok, mais peut-être que mon gérant peut juste s'occuper du côté business, mais je pense que c'est quand même important d'avoir un gérant qui catch ce que un bon gérant, c'est quelqu'un qui va aussi comprendre, tu sais, le côté musical, savoir c'est quoi qu'un hit. Tu m'envoies 3-4 beats, je suis comme, ok, ça c'est un bon beat, mais ce beat là je pense ça va marcher, ce beat là pourrait marcher avec comme un featuring. Fait que quelqu'un qui va pouvoir te guider, quelqu'un qui est juste business gérant, ça marche jamais. Non, c'est ça. Comme les meilleurs comme manager, c'est des personnes, ils ont aussi une connaissance musicale. Ouais, c'est ça. Puis à ce temps-là, c'est ça. Puis aussi, comme aussi, c'est vrai, c'est ça. Puis il y en avait peut-être pas. Tu fumais des claps aussi. Puis genre, aussi, c'est comme,
c'est trop banane, on était notre propre gérant, dans le sens que là, on avait vraiment, on savait exactement où ce qu'on s'en allait, tu sais, musicalement, donc c'était plus facile, comme à la télévision, là, ouais. On savait pas où ce qu'on s'en allait, donc c'était vraiment à ce moment-là qu'on avait besoin d'un gérant, justement, qui nous aurait guidé, genre, vers quoi, qu'est-ce qui marchait, ben, non, ça a repris un gérant à ce moment-là qui nous fout une claque sa gueule pour Such dire night. Qui dit, genre, exact. Go to the fucking room. I said go to the room. Sur le Facebook, le genre, ouais, comme... on vient de signer avec Such Night. Non, mais tu sais, un gérant qui dit comme, yo, calme ta tête, là, t'es pas Kanye West, là. Ouais, ouais, genre, ouais. Comme, faites ce que vous faites, t'sais, ce que vous faisiez là, ça marche. Faites quelque chose comme ça, mais genre comme un plus peu tard, plus tard, élevé. Innover, après, t'sais. Vous innoverez, mais là, genre comme t'as sorti t'es un pas vrai inspiré, album, genre, c'est comme ça. Avec le recul, c'est plus facile. T'es pas mais inspiré. Fais, t'sais, essaie de faire le mieux possible dans qu'est-ce qui marche, puis une monnaie quand ça va venir, genre l'inspiration comme en 2012, admettons. Ensuite, vous avez disparu quelques années. Ouais. Beaucoup d'années. Plein d'années. Ben oui, avec ça, quelques années. Beaucoup d'années. Fait ce mixtape-là en 2000, fin 2012, après puis ça, comme, on a disparu. C'est ça, fait que c'est vraiment 2000, puis t'sais, comme... Comme c'est quoi? Tu disais tantôt 2012. Le moi, j'ai dit 2009 dans ma. C'est dans 2009. Dans ma Red Hot. Vous avez dit 2012, mais 2009, la vérité, c'est vraiment 2009-2010. Tu sais, oh, c'est vraiment ça. 10 ans pour moi. Vous et c'est quoi qui vous a motivé pour le comeback? C'est encore une fois, c'est genre juste le fun de faire de la musique, là, vraiment rendu là. Puis tu sais, c'est aussi comme la game, elle a tellement changé que, genre, tu sais, à date, j'ai. Tu sais, comme dans. Puis tu sais, j'avais du fun, mais là, en ce moment, j'ai comme. Euphoriquement de fun là, tu sais, je veux dire, là, il faut que je focus de faire d'autres choses parce que justement ça n'apporte pas d'argent, mais comme dans ma tête j'adore ça là, tu sais, je suis perdu ben raide, mais c'est ça, c'est vraiment à revenir dans le dans le game, en ce moment le rap game, je trouve, comme au Québec puis à Montréal beaucoup aussi, c'est genre c'est tellement plus ouvert puis diversifié que c'était back then à l'époque. Le cendrier pour lui vu qu'il merci. Puis c'est vraiment plus ouvert que c'était dans ce temps-là, tu sais. Puis il y a beaucoup plus... Tu sais, dans le temps, si on avait l'impression... Tu sais, mettons, il y a des années où est-ce qu'on dirait que tout le rap qui sortait au Québec, c'était, mettons, des trucs du rap de guitare, tu sais, le temps d'Ironique. Puis, L'Assemblée. L'Assemblée, tu sais, toutes ces affaires-là. Ouais. Damien, etc., tu sais. Puis... Nous, on avait nos... On était comme des aliens déjà dans toutes les... Déjà, ouais. Tout ce qui pouvait se faire, on était des aliens de toute façon. Puis maintenant, je trouve qu'il y a comme tellement de vibes différents. Puis en même temps, il y a tellement... Il y a beaucoup plus de... Tu sais, moi, mettons, fin 90, début 2000, je bumpais du rap keb, mettons, tu sais, genre, justement, tu sais, les connaisseurs, puis ouais. les RDP, puis toutes ces affaires-là, RDPiseurs, etc. Mais... Après ça, il y a une couple d'années que j'étais juste comme, ben, il n'y a pas tant d'affaires que j'ai envie d'écouter. Puis là, on dirait qu'en ce moment, il y a comme tellement de talent. Ouais. Puis c'est tellement plus mis de l'avant aussi. Puis tu sais, c'est sûr que c'est plus facile. Tout le monde peut se rec, puis tout le monde peut sortir ses affaires. Mais genre, tu sais, le street rap en ce moment, là, il y a comme, il y a du monde fou, là. C'est ouais. comme, il y a des trucs incroyables qui se font. Puis même dans les autres scènes aussi, il y a des trucs, genre, que je trouve vraiment, genre, comme artistiquement, c'est comme ça va ailleurs. Puis c'est comme ouais, c'est moi, nice. Moi, j'écoute vraiment plein de rap d'ici. Non, ça, mais pendant la pandémie, puis tout, est-ce que c'est là que vous avez décidé de revenir? Non, et c'était tout, avant, de vous, c'était avant. Dans le fond, tu sais, le premier jour de la pandémie, on venait de finir notre premier démo genre du comeback genre là, mais fait, le monde le savait pas, le public personne vous le savait, puis là genre là on avait un genre de plan de sortir là, puis là la pandémie est arrivée, donc là on a dit comme ça, c'est sûr. Mais est-ce que vous suiviez la scène pendant les 9 ans 10 ans que vous étiez pas tu sais à des niveaux différents là, genre, mais dernièrement dans les dernières années Ouais, on se connaît tout le temps, là, c'est ça, le beef tantôt, c'était pas vraiment... Le beef est pas resté super longtemps, une fois qu'on a arrêté de faire de la musique. C'était vraiment très industrie, ouais. Mais, tu sais, moi, un des trucs qui a fait que j'avais envie de refaire de la musique, lui, il faisait encore une couple de tunes par-ci, par-là, tu sais, il y avait ça. Moi, j'ai comme aussi, puis j'avais fait genre de la lutte, dans le monde de la lutte, puis genre un peu de booking de lutte, puis j'étais manager. Oh, bon, 9-9, puis... Qu'est-ce que j'ai dit, toi, tu fais de la lutte, non, pas moi, j'ai fait un match de lutte contre un vrai lutteur, mais en fait, c'est si vous aimez la chanson, ah non, il me tue, man, à coup. Genre, vous ça, là, la volée que j'ai mangée à travers. Ah ouais, il est sur YouTube aussi, là. Ah, yo, j'ai checké ça. Ouais, le grand Gabon versus Mathieu Saint-Jacques, là. Ouais, ça m'a donné. Okay, j'ai checké ça. Ah ouais, man, j'étais tellement fier de ce match-là. Lui, il était rendu comme lui, il faisait son Gabo Gang. Fait qu'il y avait comme. C'est ça, puis là, j'ai enregistré un genre de lutte.
j'ai enregistré genre le, ouais, j'étais enregistré Rod Lutte, puis tu sais, comme la NWO, c'était le Gabo Gang, puis moi, je suis comme le genre de boss fucked up. Ancien rapper. T'étais le tête débiassé du gang. Genre, c'est ça. Le Rick Bishop. Puis la toune, c'est un rip-off de Gucci Gang, tu sais, Gucci Gang, Gucci Gang. C'est Gabo Gang, Gabo Gang, tu sais, puis c'est ça. Fait que là, ça, c'est la toune d'entrée de Militaire, puis ouais, ça, c'est. Ben là. Puis là, les Franco nous avaient demandé de venir faire un show pour les 10 ans de Trop Banane. Je voulais absolument jouer la toune de Gabo Gang. 2017. Ah ouais? 2017, c'était comme les 10 ans de Trop Banane, fait que les Franco nous avaient demandé de faire un show, fait qu'on avait fait un show extérieur au Franco. Quand même, hein? Puis. On a fait le show, puis genre, pour vrai, genre... Toi, c'est pour ça que tu l'as revenu, ouais. Ouais, mais moi, c'est ça. Moi, j'étais comme... On faisait le show, puis j'étais comme... Avant le show, j'étais comme... Ah, pas trop sûr, hein? Il va-tu avoir du monde? Ça fait fucking 10 ans, là. C'est comme, c'est loin, là. C'est comme, il va-tu vraiment avoir du monde pour le show, puis tout? Finalement, on a fait le show, c'était pack, c'était plein de... C'était pack, c'était dehors. Puis les personnes connaissaient vos lyrics. Ouais, c'était vraiment nostalgique, tu sais, le monde, il vivait là. Mais ce qu'on trouvait fou aussi, c'est que dans le crowd, tu sais, il y avait des plus jeunes aussi, puis du monde de notre âge aussi, puis tu sais, c'était varié, puis t'avais du monde qui bumpait, puis c'était juste, on était comme, ok, c'est fucking nice, puis là, genre, ça m'a rappelé c'était quoi le feeling de faire un show, puis tout ça, puis l'année d'après, on a joué aussi pour les 20 ans de No Boy de TTC, qui étaient les Français, qu'eux, ils étaient venus, puis là, les Franco voulaient faire un show, justement, comme dans le temps, Omnichrome, TTC, wow. Puis, Poirier, ouais, c'était Poirier. Poirier, c'est vrai. Puis c'est ça, fait que on avait fait ça au Métropolis avec eux. Puis tu sais, comme toutes ces affaires-là, ça, j'étais comme, ok, ouais, ça me manque. T'sais, ça fait 10 ans, mais ça me manque ce côté-là de faire des shows. Cette adrénaline, ce love, ce lifestyle-là. Wow! Oh, c'est ça. Puis même... c'est quoi, dans le fond, c'est toi qui as été justement parler? C'est moi qui est venu voir. Parce que moi, je voulais recommencer sinon en solo, whatever. Puis tu sais, j'étais comme, j'avais trop le goût d'enregistrer la musique. Avec vous, solo, moi, I'm moi, gonna ça, do partais, some music. Puis là, j'étais là, ben là, tu sais, dans le fond, si j'en bosse ça étant ton Omnicron, ça serait encore mieux. Genre, mm-hmm. Puis tu sais, comme on avait essayé, parce que quand ça fait longtemps que t'as pas rec. Ça se passe pas bien. Puis en fin de compte, ben, on a parti sur un. On recait à chaque semaine des trucs maquettes. Puis. On a build up dans le fond, c'est ça, le comeback. Là. Puis là, on est à fond. Là. Genre, là, moi, je sors un mixtape solo le mois prochain. Puis ah on va ouais. Sortir des trucs solo. J'adore le format streaming qu'on peut tout sortir notre musique. C'est ça, c'est parce que c'était pas dans notre époque. C'est les gens qui décident maintenant. Avant, vous, êtes dans un nouveau era. C'est les gens qui décident maintenant. Parce que si ta tune devient virale ou whatever, puis t'as des streams, genre, tu sais, là, maintenant, les faits sont devant tout le monde. T'sais. Avant, les chiffres étaient cachés. Là, les chiffres sont pas cachés. Fait que, t'sais, si un média qui parle pas d'un artiste, mais c'est comme, OK, vous parlez pas de lui, mais il y a des millions de streams. Pourquoi volontairement, vous voulez pas parler de lui? C'est ça. Là, il se passe de quoi? Puis là, whoops, là, ça fait que tout le monde écoute ça dans le fond. Puis, t'sais, je trouve que moi, personnellement, genre, je suis fucking down avec les streams, que ça soit vu devant tout le monde. Puis, évidemment, si après, il faut que tu trouves d'autres façons peut-être de faire l'argent, mais quand même, c'est une bonne façon de faire une promotion. Ouais, ouais. Mais est-ce que quand vous avez décidé de faire votre comeback, c'était quoi, officiellement 2018, 2019? Avant la pandémie. Ouais, c'est ça, 2018. Vous avez cherché pour un label ou. On a pas cherché pour un label tout de suite. On a commencé à faire des tracks et tout ça. Puis une fois qu'on avait comme 3-4 maquettes qu'on aimait vraiment, là, on a shoppé un peu dans certains labels. Qu'on était comme, OK, genre, on pourrait aller avec ce label-là ou ce label-là, voir que, etc., voir. Parce qu'aussi, c'est comme l'aspect que là, ça, on joue pas tant, mais c'est qui était différent, c'est jouer à Sirius maintenant, puis tout ça, que tu sais, c'est comme le label, il peut t'aider ou, tu sais, dans le fond, non, tracker radio, genre, mais tu sais, nous, on voulait un label qui était aussi un bon tracker radio, dans le fond. Ouais, puis c'est ça, fait que tu sais, on a shop un peu. On a failli avec un label que finalement... Une couple de labels, là. Ouais. Pis, en fait, quand on a signé avec un label aussi qui était comme peut-être plus indie dans un sens, qui est comme... Vous n'avez pas été avec les trois gros labels qui... Non, on n'a pas... On a nos masters, c'est des licences, c'est juste... Ah ouais? Ouais, c'est juste comme pour... C'était plus comme on veut quand même tenter le terrain, là. Ça fait tellement longtemps, on veut juste comme... C'est aussi parce que, tu sais... C'est surtout pour le côté promo puis ces affaires-là que on se disait... On a chacun nos business à part. Là. Lui, il a son shop de vintage, puis il fait ses trucs de son côté. Puis genre, moi, je travaille, j'ai ma job. Fait que c'est comme... Ça prenait un label que... On n'a pas le temps de s'occuper de c'est tout ça. Comme quand on avait, mettons, 25 ans. Là. Ouais. Là, on était comme, OK, on va prendre un label. Puis ça nous prend un label avec qui on a une bonne connexion, mettons, qu'on peut parler avec, puis que...
sont chill, puis genre, tu sais, c'était pas tant de trouver le plus gros label, c'était plus de trouver du monde avec... friendly. Qui va faire en sorte que, yo, voici nos exigences, ça va être respecté. C'est ça, qu'il n'y a pas vraiment d'attente, ou tu sais, qu'on fait quand même nos trucs. Tu sais, qu'on peut, on peut. Un genre d'hybride, là. C'est important qu'on garde, genre, tout le côté créatif de notre côté. Pourquoi vous avez pas signé avec le label de Béatrice C'était avant. Ça a été un perfect fit. On a failli. Mais c'était failli! Un perfect fit pour moi. On a failli. Il y a eu des trucs qui sont sortis de Me Too puis tout ça dans ce temps-là. Sur le. Pas sur nous. L'ancien label qui fait en sorte que. Ok, fait que vous allez signer sur les anciens personnes qui dirigeaient le label. On n'avait pas signé. Avant qu'elle prenne. Avant qu'elle prenne, on était là, là. Oh, no way! Il y a des trucs qui sont sortis que le label a comme shut down, puis nous on était juste comme est-ce qu'on attend ou genre on trouve un autre label ou whatever. On était un peu dans les limbes, puis on était juste comme tout ce qu'on veut c'est sortir nos trucs avec des gens avec qui on peut avoir confiance. C'était comme Bravo Records. Ouais, là c'est rendu Bravo. Bravo. Ouais. Tu sais, je suis full down que là ça soit Béatrice qui l'ait repris. Ouais, c'est sûr. Je pense que c'était le move que ça prenait pour eux là, dans ce temps-là. Là. C'est comme ça pouvait pas rester le. C'est bon, un rebranding pour faire en sorte que le ça puisse vivre c'est encore, ça que mais tout que le monde le catalogue vit puis qu'ils sortent encore des projets. Ben oui. Exact. Wow. Tu sais, finalement on a découvert un autre label qui était full down puis avec qui on s'entendait bien. Hugo qui faisait notre booking justement avant chez Presse. Ouais, Hugo qui est comme confiance. Un gars plus de punk qui est comme qui avait un groupe là, qui s'appelait Hugo les Saint Catherine's qui était comme un gros groupe de punk dans le temps là. Mm-hmm. Puis lui c'est lui qui s'occupait de notre booking dans le temps chez Presse. Il était comme un jeune booker là bas. Puis c'était lui qui avait pris le booking. Il a fait de la bonne job. Tu sais, c'est un gars qu'on connaît depuis longtemps, puis qu'on est comme... On sait qu'il c'est pas un gars qui bullshit, là. C'était ça son pitch speech. Je suis comme, on va pas vous bullshiter, là. Ça va être ça, pis ça. Son speech, c'était basically... On va pas vous dire la gueule! Mais tu sais, là, on voyait qu'il avait pas beaucoup d'argent, là. Fait que c'est pas vrai, là. Mais tu sais, dans le sens que, tu sais, genre... On s'en foutait, on voulait juste sortir nos affaires. Fait que là, vous avez signé avec eux. On a signé avec eux pour le EP, dans le fond, mais tu sais. On a Boss Magic qui était le EP qu'on a sorti genre un peu avant, puis là on a sorti un single Michel-Ange. Michel-Ange en septembre dernier. Ouais. Là on commence à travailler avec plein de jeunes producteurs. Puis Badminton. Vous êtes en train de monter là maintenant le EP officiel. On a fait le EP, puis là on sort, là on fait d'autres tracks un peu avec tout le monde. Lui il fait des tracks, je pense qu'il doit faire. J'ai fait mon tape en genre un mois. Là, en solo, t'es signé là aussi. Non, je peux signer en solo. C'est qu'on sort des trucs à gauche, à droite. C'est juste aussi. Le projet qu'on a signé dans le fond, là, on peut sortir avec Omicron. Mais on trouve ça nice en ce moment qu'il y a tellement de producers puis de jeunes rappers qui sont comme. T'sais, ils sont pas tous connus, comme ça, mais comme ça, tout le monde est inscrit. Il y a plein de mettons, monde talentueux. Dr. Stein, les rappers qu'on a fait, des trucs de Don Bruce qu'on a fait avec eux. Ça, Don Bruce qui est comme, mettons, dans les fourmis. Les fourmis, là, c'est ça. Mais ils sont tellement kids que quand ils nous parlent, c'est comme, ben oui, on se rappelle dans la poutine, là. Ça, c'était mon primaire, tu sais. Fait que, tu sais, eux, dans leur tête, c'est comme, ils font une tune avec, genre, tu sais, pour... Peut-être oui, c'est avec fucking mon Vanilla Ice. Mon Vanilla Ice. Mon Vanilla Ice. Moi, c'est dit Nas au moins. Mon Vanilla Ice. MC Hammer, là, tu sais, genre. Ok, t'sais, ok. Mais tu sais, quand même, pop, tu sais, eux, mais quand même, tu sais, eux, dans leur tête, c'est danse la poutine, et t'sais, j'imagine quand t'es enfant, c'est juste comme. À comme 12-13 ans, c'est juste shit. Top, là, t'es genre, tu sais, fait que t'es sûr si. Les gars full colorés qui arrivent, qui parlent, qui veulent de l'argent. Fait que tu sais, on les a influencés quelque part. Fait que moi, je suis comme juste ému, là, tu sais, j'adore ce qu'ils font pour vrai, là, tu sais, je bumpais ce qu'ils faisaient, puis j'étais comme. Je pense que Saint-Sucré puis Dr. Stein, c'est genre numéro un dans mon Spotify pour vrai. Là, ah ouais? Quoi, moi, tu sais, comme mettons ces gars-là, je les connaissais pas avant parce que je checkais ce qui se faisait puis tout, mais je vois pas aussi deep c'est que ça, lui. Moi, je t'entends vraiment deep. Toi, tu dis des noms. Moi, je connais tout, là, genre, j'écoute. Saint-Sucré. Le Word Up. Je les écoute. Moi, je suis super fan. T'sais, moi, j'étais comme les nouveaux trucs. T'sais, moi, je checkais plus les tiseaux puis les chrises. Puis aussi, je suis dans là lui, il faut down, mais lui, il allait. Full deep dans des petits producers, des affaires. Ouais, mais c'est bon. Il était comme même. J'adore ces trucs-là, puis il me faisait écouter, puis j'étais comme ok, c'est fucking nice. C'est ça, j'adore même à ça, t'as quand même une bonne oreille. Ouais, musicale, mais c'est ça, mais je suis juste genre comme, tu sais, on trouve des gars qu'on adore ce qu'ils font,
Puis genre, si la connexion se fait, ben on fait de la musique ensemble. Puis c'est juste pour le love. Là. C'est comme on fait plein de musique. On faisait plein de chalets justement avec Lopocus qui était un peu dans la scène heartbeat, genre, puis ouais. qui est venu avec. Puis tu sais, ça nous a vraiment aidé aussi dans le style de comme sexualiser, là, même si on est encore fan, tu sais, genre de quand même un peu, tu sais, de pas arriver de quoi. De, justement, qu'est-ce qu'on faisait il y a 2 ans, je suis vraiment plus content que qu'est-ce qu'on fait, mettons, en ce moment. Ah ouais, mais en ce moment, là. Je trouve que l'évolution est là, continue. Après, c'est quand même fait sans prétention, tu sais, je veux dire, c'est vraiment plus pour le love. Mais est-ce que la réponse des fans, vous voyez que c'est comme quelque chose de positif, c'est quelque chose que vous attendez, t'es comment on s'attendait à plus? C'est ça, c'est comme nos fans sont tellement vieux, genre. Nos anciens mais fans. Mais les core fans. Les anciens. Mais il y en a des nouveaux, comme ça. Les nouveaux ne connaissent pas vraiment, genre. Fait que, tu sais, c'est comme les anciens, il y en a qui ont feel, puis, mais, tu sais, c'est sûr, c'est pas comme avant. Si t'avais 16 ans dans le temps que t'écoutais Omnicron, mais, tu sais, 12 ans plus tard, t'as comme, tu sais, 28 ans. Ça coûte encore du rap. Puis là, c'est les consommateurs, ils vont acheter. Ils ont l'argent pour. Dans le temps, on avait des fans très jeunes, puis on avait des fans vieux aussi, là, on avait des fans dans le temps de 30 ans, là, fait que là, maintenant, ces gars-là, ils ont 40 ans, là, c'est comme... C'est ça, fait que tu sais, il y a une partie de notre fanbase qui est trop vieux, puis il y a quand même une fanbase qui a grandi, genre, mais aussi, la différence, c'est que le rap, maintenant, il est beaucoup plus diversifié, puis il y a beaucoup plus de qualité, là, honnêtement, qu'en 2007, tu sais, il y a beaucoup plus de bons groupes, donc, tu sais, comme... La compétition est plus forte aussi. Fait qui d'autre de Valleyfield qui est sorti de Valleyfield populaire? Vous êtes les plus populaires de Valleyfield aujourd'hui? c'est pas difficile de donner ce clé. Hockey, baseball, d'autres affaires. Vous avez des joueurs de hockey? Il y avait Jean-Luc Brassard. Ah ouais, Jean-Luc Brassard. Plus big comme Brassard. Jean-Luc Brassard, le skieur de masse. Ah, ben oui, il est un king, lui. Jean-Luc Brassard. Valleyfield, dans ce temps-là, il y avait des pancartes. Il a donné beaucoup de médailles d'or, man. Il y avait des pancartes l'or avec Jean-Luc Brassard. Ah, OK. Il y avait des pancartes à Valleyfield. Le boss des boss. Ouais, le boss des boss. Le boss des boss, OK. Bon sport. Mais il n'y avait pas... Après, c'est vous. C'est lui. Mais moi, c'est tout confondu, là. À notre fin, genre, tu sais, quand on était dans notre downfall, mettons vraiment en 2010, on avait quand même pogné une gig que c'était, on faisait les Jeux du Québec qui étaient à Valleyfield, puis eux nous avaient booké vu qu'on venait de là, puis il fallait refaire la tune des Jeux du Québec, mais on changeait pas les lyrics vraiment, là, on fallait juste la faire. C'était comme l'hymne, là, des Jeux du Québec. C'est ça, ben oui. Mais comme. Mais même ils temps, ont c'était comme pour le love. Yeah, for the check, I'm gonna see that shit out. I'm gonna hit the high notes for the check. Mais tu sais, aussi, c'est drôle, c'est ça, tu sais, à Valleyfield. C'était la première fois qu'ils nous faisaient venir, genre. À Valleyfield. C'était la seule fois qu'on a eu une reconnaissance de Valleyfield. C'est la seule fois qu'on a joué à Valleyfield pour vrai. Tu sais, genre, il a fait ça. Puis là, tous les haters de ton secondaire, ils te voient là comme hier. Vous voyez. Ah non, ça, c'était la rencontre de 10 ans, genre. Tu sais, quand tu fais ta. Non, mais la rencontre de 10 ans, de. Du secondaire, ça c'était quand on était sorti trop banane 2007, on était le groupe qui marchait le plus au Québec. C'est genre, meilleur il arrive à la rencontre de 10 ans de secondaire, on avait pas les bras dans le vide, moi je suis millionnaire, moi je suis dans Omnicron, on est blanc tout le monde. Non, mais c'est genre, toutes les filles qui te regardaient pas dans ce temps-là, là, ils sont comme là, ils te regardent, t'es à Musique Plus à tous les jours. Là, t'as été rappelé les petites formes de Valleyfield pour dire non, what's up, Stéphanie de 5e année. Now what's up with me? Yeah. Yo Stéphanie, tu sais je suis qui maintenant? Yeah, sérieux, man. Faire un exposé oral finalement. C'est ça. Yo, je suis content que vous soyez passé, man. Ah, pour merci de vrai. Vraiment nous avoir invités. Omnicron. Est-ce que vous avez déjà fait des balles de finissant? Des performances dans des balles? Oui. Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'est real, ça. Ah oh, ouais, on a fait des... Ça, c'est on real, fait, le vibe. On a fait des de HEC. HEC. HEC, oh! Là, HEC, j'ai oh! comme les gars qui filmaient puis qui faisaient ça, comme, c'est lui, hein? Moi je suis pas lui, moi je dors à ce moment là parce que nous quand on faisait des shows, moi je suis un gars, si je commence à boire j'arrête pas, là. Moi je m'en vais à l'hôtel, je vais à l'ODS avec genre Figure puis le Soundman, eux ils finissent leur show une fois de temps en temps, ils boivent une bière ou deux, ils s'en vont comme chiller à l'hôtel. Moi je suis comme, dude,
j'ai ouvert la bouteille, je vais la finir. Là. C'est comme si je vais boire les autres bouteilles qui s'en viennent après. Là, puis genre, c'est ça, mais la sécurité de cette party-là, c'est un classique. Jean Bar, il écoute à chaque Noël la vidéo de Jean Bar. Les gars qui faisaient la sécurité. On sait même, c'est quoi tu fais, genre, dans les. D'autres, je suis fucking défoncé dans ce truc-là. Jean Bar, mais c'est ça, j'ai parlé. C'est un classique. J'avais parlé avec des gars qui travaillaient pour cette agence-là après, une couple d'années plus tard, puis ils étaient comme, ben oui, man, on écoute le vidéo de toi à ce truc-là, à tout Noël. C'est genre. T'es défoncé raide, je suis genre, tu sais, genre, je faisais le show, puis là, genre, avant le show, il nous emmène, on l'a fait, c'était la deuxième fois. Moi, tout ce que je me rappelle de ce show-là, c'est que le gars, il est arrivé en arrière, puis il a comme droppé, genre, peut-être comme 15 bouteilles de vodka. Non, j'étais comme. Il y avait comme, non, il y avait, pour vrai, il y avait, tout exagéré tout le temps, mais il y avait genre 6 bouteilles de vodka. Ben, 6, mais dans ma tête, je me suis dit, quelle mauvaise idée, j'étais là, tu sais pas dans quoi tu t'embarques, puis là, c'est ça, lui. Ces gars-là, ils boivent pas, là, fait que c'est comme, tu sais, on commence la première bouteille à 3, là, mais là, le show, il est fini, la première bouteille est finie, moi, j'embarque dans les autres bouteilles, puis ça tout seul, je m'en vais pas tant que les autres bouteilles sont vides, genre, là, fait que même, moi, je fais le party, puis là, c'était comme, c'était un show, on jouait avec le gars qui faisait du Jonas, le gars un peu rock, je sais pas trop quoi, là, lui, il était rendu en bed-end, puis là, genre, moi, c'était rendu mon meilleur boy, j'étais juste comme c'est. Eux autres sont partis à l'hôtel, moi je suis juste comme yes, il me reste 5 bouteilles de vodka, on va faire le party, puis là le monde, j'étais comme je leur vide ça dans la bouche, puis ils sont comme c'est trop, fais juste m'en mettre dans mon verre, je suis comme d'autre, c'est ton après-balle, tu sais, il faut que tu te défenses. Genre le lendemain matin, là, genre bon, là, il manque un soulier, il n'y a plus d'iPhone. La sécurité était comme ok, c'est le temps de s'en aller, puis là moi j'étais pas content, puis je voulais pas m'en aller, puis là genre ils finissent par m'emmener en petit cart de golf, je suis pas trop. On arrive à l'hôtel qui est en haut d'une petite côte, on était comme au. C'était où? C'était au manoir Charlevoix? Je sais pas. Quelque chose de même. En tout cas, dans Charlevoix. C'est au Charlevoix, au manoir Charlevoix. Puis genre, moi, je suis juste genre comme. Tu sais, j'ai une petite côte à monter pour aller dans la chambre. Genre, j'étais même pas capable de monter la côte. Là, je tombais, j'ai perdu mon iPhone. J'étais comme, j'étais n'importe quoi. Mais c'est ça, moi, c'est comme les parties. Là. Une les fois que je. Tout le temps de même, mais dans celle-là, t'étais. Mais une fois que je commençais à boire, c'est genre, moi, je suis. Je suis là pour le party. Moi, j'étais là pour le party là, pendant qu'eux autres, ils jouent au DS ou ils jouent à Rock Band. OK, t'amenais tes consoles. Ouais, avec toi? On jouait tout le temps en Nintendo DS, ouais, genre Mario Kart, on se pluguait tout le temps ensemble. Ah ouais! Genre, ouais, c'est des vrais gamers, mais. Ben oui, oui. Tu sais, tu passes à dormir, les gars, tu fais. Puis tu t'es très bien. Tu sais, jouer! Quand ils sont arrivés à 4 heures trop sous, genre, pis là, ils sont tout. Là, t'es comment lâcher nous? Parce que souvent, c'est ça, tu sais, on avait souvent Baz qui venait avec nous autres, qui filmait. Fait que, tu sais. Ou les invités, tu sais, c'est des invités, c'est sûr, qui vont faire le party quand tu tournes pas souvent. Genre, tu sais, nous autres, on tournait quand même souvent. C'est ça. Fait que moi, j'étais tout le temps comme, si j'ai un boy avec moi qui reste, c'est sûr que je fais le party. Ouais. S'il y a pas de boy, je vais trouver quelqu'un là-bas qui va faire le party aussi. Puis, genre, ça guettait assez fou. Mais tu vois, tu cherchais les gars pour faire des parties, tu cherchais pas les femmes? Faire des parties. Les femmes aussi, là. Moi, j'en ai profité longtemps de ces affaires-là. Dans ces années-là, là, c'était comme j'étais le seul du groupe qui avait pas de blonde. Ouais. Le seul du groupe qui avait pas de blonde. Toutes les filles étaient après lui, mais lui, c'était le meilleur gars sur Terre. Oh, Kurt Cobain! C'est ça, c'était comme Kurt Cobain! J'en ai tu me compares à Kurt Cobain! C'est comme, yes. We want Kurt Cobain! Kurt Cobain, t'es comme, non, j'ai une blonde. J'ai une blonde, moi, j'étais fidèle, comme, OK, je vais prendre les restants de Kurt Cobain. I'm chill with that. Yo, t'es sa sœur? OK, bien. Mais dans ces années-là, c'était intense. Là, on a fait un show à Québec à un moment donné. Genre, c'était justement dans notre série de Télétoon Rogers. Télétoon Money, dis-le. Présente Omicron. I was getting that check. Omicron backstage. Puis genre, comme on a fait un show à Québec, là, c'est genre nos gars de son, ou je sais plus trop quoi c'était. Ah ouais, ça c'est le soir la plus fucked up. Là. Les gars de merch, puis tout ça, qui sont comme. Ou notre DT, je sais plus qu'est-ce qu'il faisait, mais en tout cas, il était là. Puis pendant le show, il y avait comme plein de monde, mais c'était comme un crowd moitié des gens, des kids très jeunes, des kids très jeunes et des vieux. Mais là, front row, il y avait comme des danseuses qui étaient là, genre, fait que tu sais, comme là, les filles, genre, comme. Nous montraient leurs boules, puis nous montraient tout, genre, sur le show, puis nous étions comme, oh fuck. C'est ça, pendant qu'on devrait faire le show, ils sont comme front row, puis c'était comme, ok. Puis là, genre, comme notre gars de son, je sais plus trop, il était là, puis là, il a ramené des drinks, puis là, à un moment donné, il y en a une qui a essayé de voler son drink.
Fait que là, il a pitché son drink d'en face. Puis là, Puis là, genre, en tout cas, il était comme pas content. Mais là, comme plus tard, tu sais, comme dans la série web, justement, t'as comme, le bout où est-ce qu'il est comme, il raconte comme, hey, la fille est là, puis là, elle essaie de me voler mon drink, puis là, j'ai pitché d'en face, blablabla. Là, ça coupe. Puis après ça, tu le revois, il y a un black eye, il s'est fait puncher par la fille, genre. Le gars l'a punché. Ouais, à table de merch, à table de merch, c'est comme une fille qui est venue, puis qui s'est comme. Qui disait comme, hey, approche, blablabla. Puis là, comme, il s'est approché. Puis là, elle s'est mis à parler. Pendant ce temps-là, l'autre fille est arrivée out of nowhere. Wow! Elle a soigné, les gars se sont mis à se pogner avec les filles qui étaient là. Oh, comme, shit! Puis après ça, il y a comme toute une histoire, mais c'était comme, tout ça, c'était comme une soirée assez fucked up, là. Ouais, c'est ça, là, c'était. Shit! Mais okay. Quand vous avez vu tout le comeback de, tu sais, de Ticazo, vous avez vu le 8-3. Ouais. Est-ce que vous avez dit, OK, comme là, ils sont en train de, comme, de fucker genre notre tour, ou vous étiez comme, OK, c'est un bon era pour revenir parce que là, l'industrie a changé, les subventions money a changé, puis ces affaires-là, comment vous avez vu ça un peu? Ben, je t'avoue, on dirait que maintenant, je vois ça comme zéro au pire, comme compétition, justement, genre, parce que, tu sais, avant, c'était comme... T'arrivais au magasin de disques, puis admettons, t'as 40$, tu vas acheter comme deux CD, ça va être that's it. Mm-hmm. Maintenant, on a comme la bibliothèque complète du monde entier, dans nos poches chacun. Fait que je me dis, je vois plus ça maintenant comme, tu sais, au pays, c'est même mieux des collaborations, même avec des artistes qui font un style différent de toi, parce que ça va juste t'ouvrir un nouveau crowd qui écoute pas ce que tu fais, tu sais. Donc, tu sais, j'essaie vraiment de focusser comme plus sur le fait de comme sortir de la musique. Mais c'est pas plus facile pour, comme... Tu sais, par exemple, un Ticazo qui est revenu, mais son album, ben oui. Tu vois qu'il est arrivé avec le même style de son qu'il avait back then. Tu vois qu'il est venu avec la sauce Rough Sound. Tu vois, le 8-3, ils sont revenus, mais tu vois, ils sont arrivés avec le même pattern. Ouais, je comprends. Fait que, est-ce que vous, avec le premier album, est-ce que ça aurait pas été plus smart pour dire, tu sais quoi, on va essayer de ramener ces fans-là vers... Puis, tu sais, il y a des personnes dans... T'sais, qui rap, t'sais, on parle de Fouki, on parle de quelqu'un de Les Fourmis, on parle de peut-être quelqu'un dans la Claire Oka comme Ken Lo ou comment il s'appelle, Robert Eman, Robert Nielsen. Fait que ça aurait pu avoir un côté un peu funky, justement. Mais c'est ça, mais dans le fond, le EP qu'on a sorti, dans le fond, Michel-Ange est vraiment plus rap, je te dirais, mais le EP qu'on a sorti, Bus Magique, c'était un peu ça qu'on avait essayé, t'sais, d'essayer de garder le style Omnicron, d'essayer d'amener le côté vraiment funny. Puis ça l'a comme, honnêtement, plus ou moins passé. Peut-être qu'on n'a pas fait ce que les gens voulaient. Mais tu sais, la façon qu'on l'a fait, ça l'a comme... Tu sais, le Bus Magique a marché, mais tu sais, c'est pas... on dirait tant qu'à ça, nos tunes comme plus rap, ils accrochent plus de personnes, peut-être. Mais tu sais, en même temps, c'est comme... Peut-être un beat psychédélique fou, comme Omnicron featuring Fouki puis Tizo, ça serait fou. Ça serait moi, je dis ça. Fouki, Tizo, Omnicron. Yo, faites un truc fou. Ça serait drôle. Shriz aussi. Shriz, je suis un gros fan. Je pense que c'est mon rappeur préféré. Ah ouais? Ben oui. Les gros skills. Roger, je l'adore de tout mon cœur. Tu vois, ça rentre dans le lane Omnicron pour les plus jeunes. Secret, genre, de Roger. Ben, Roger, écoute le podcast, tu sais déjà que... ben oui. Bon, là, on va aller avec des questions par rapport, là, pour terminer. Okay, let's go. Vous cuisinez à la maison? Moi, oui. Moi, zéro. Zéro, j'adore le restaurant puis les fast-food, genre. Puis Uber Eats, là, ça me ruine. Moi, je suis quand même un bon cook, là. C'est genre, dans mes jeunes années, j'ai étudié à l'ETHQ en cuisine italienne. Ah ouais? Ouais. T'es genre, vraiment bon, là. Juste avant, comme Chrome. Mon rêve, c'est de voir genre boire à un souper presque parfait, là, mais je vais pas y mais aller. Juste avant que, comme Chrome, ça se mette à fonctionner, là, t'sais, avant qu'on sorte le premier EP... j'avais une job de merde, là. Je travaillais au Saint-Hubert, là. Puis j'étais le rôtisseur au Saint-Hubert. Puis genre, j'avais pas d'argent, puis j'avais plein de dettes. Puis genre, je faisais moins d'argent qui rentrait que de dettes que j'avais à payer. Fait que j'étais juste genre, OK, il faut que je retourne à l'école, là. Faut que je fasse quelque chose. Parce que, tu sais, même si, genre, j'ai tout le temps été un kid, genre, en enrichi à l'école, mais genre, j'ai drop out au cégep, j'ai rien fait, là. Okay. Fait que là, j'étais juste comme, OK, faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui est le fun? Bon, je vais aller à l'école en cuisine, puis genre, ça va me donner des subs, puis des affaires. Puis... Fait que j'ai étudié en cuisine italienne, c'était bien chill. Mais là, après, comme... Après mes deux premières sessions,
le band, ça commençait à marcher. Fait que j'étais comme, OK, ben, la décision est pas difficile. C'est comme, je vais pas continuer d'étudier en cuisine. Je m'en fous, je fais ça juste parce que j'aime ça. Mm-hmm. Mais c'est ça. Fait que j'ai étudié en cuisine. Fait que je suis quand même bon pour faire à manger. Je fais, c'est moi qui fais à manger chez nous. Là, c'est pas ma femme. Puis c'est ça. T'sais, sinon, je suis un gros fan de barbecue, puis de smoker, puis de bouffe du South. Fait que dans le temps, je faisais tout le temps des gros barbecues chez nous avec 70 personnes, là, les high class. Les high class. Tu peux témoigner de ça, là? Ouais, là, c'est lui qui exagère un peu. Là. Oh! Ouais, genre 30-40 personnes. C'est moi qui sais combien que je mettais de viande dans la fois. Je sais combien il y avait de monde. Bon, le deuxième beef qui part. Genre. Ouais, putain, après cette entrevue, je vais plus travailler avec toi, connard. Mais non, mais je faisais le gros poulet frit avec t'es vraiment bon pour manger. Pourquoi il n'y a pas Omnicron barbecue event des parties? C'est ça, ça pour c'est pour ça que je suis au t'invites la politique et on va être là comme moi. Tu vas venir bouffe, je vais on va venir manger je suis un gros gars poulet frit, brisket, pulled pork, mac and cheese. Pour vrai, je faisais mon barbecue, je faisais 4 sauces épicées différentes, une qui est plus North Carolina, une qui est plus Memphis. De grosses pointures là. Ok, il connaît son affaire. Oh, oui, j'ai mon smoke. Chez nous, j'ai mon smoker, j'ai mon barbecue, je suis full équipé pour ces affaires-là. Ouais, j'ai un fumoir, j'ai jamais utilisé. Non, laquelle? Ouais. Mais ça fait un bout, je l'ai pas utilisé là. Je te dirais, ça fait 2 ans, j'ai pas touché. Mais avant, à chaque été, je faisais un gros barbecue. Au moins une fois dans l'année là, que je faisais un gros barbecue, comme j'invite tout le monde, vous mangez, je vous fournis l'alcool, puis la bouffe, puis genre on fait juste. T'inquiète, on peut venir les mains vides, mais just let us know. Puis il va venir avec le ventre vide, c'est juste ça qu'il va faire. Ouais, je viens avec le ventre vide, mais les mains remplies. Ah, il faut venir avec le ventre vide, là. C'est comme, tu vas manger straight de la up. Grosse viande, là. C'est comme... Straight up. Le prochain viande, des invités bon. Au prochain barbecue. C'est clair. Ah ouais. T'as trop vendu le shit, là. Ça, moi, j'ai comme... Oui, vous savez nager? Ouais. Ouais. Vous savez patiner? Ouais. Ouf. Moi, je suis pas un gars patin tant que ça, là. Correct. Comme, j'ai... Pas des vrais gars de Valleyfield, ça. Non, mais c'est ça. Valleyfield, c'était une ville... Baseball puis hockey. Mais nous, on hockey, est baseball. Hockey, c'était vraiment les jocks, les douches un peu. Là. Ouais. On voulait partir jeune. C'était comme les preppy qui jouaient au hockey. Les preppy avec. Mais ça coûte l'argent. Ça coûte cher. C'est comme moi, quand j'étais kid, là, j'avais pas assez d'argent pour jouer à ces enfants-là de toute façon. T'es enfant unique, non, moi, j'avais un demi-frère plus vieux. Mais on est vraiment pas pareil. C'est comme. C'était mon demi-frère plus vieux qui était du côté de ma mère. Fait comme lui. Il était blanc, puis genre, ben il est encore, j'imagine. Mais genre, tu sais, on n'a jamais connecté ensemble. Comme ça, là. OK. C'est ça, fait que... Puis, mais c'est ça, Valleyfield, c'était très baseball, puis hockey. Nous, on était vraiment plus baseball, là. On a joué au baseball, c'est comme ça qu'on s'est connus au début. On a joué au baseball, on faisait championnat canadien, là, on était à l'OBC. Ouais, j'aime encore j'adore les sports. Ouais, quand on était jeunes, là, tu sais, on jouait, genre, c'est ça, tu sais, on est allé au BC, là, pour faire le championnat canadien, puis Je pense que une des premières fois que je t'ai vu, c'est mon père qui t'avait sélecté dans notre équipe de 10 ans, puis j'avais cogné chez eux. Là, ta mère, oh, Philippe, là, t'avais monté, puis il était all over Raiders. Ouais. J'étais comme, ah, moi aussi, c'est mon équipe de foot préférée. Là, vous avez connecté avec ça. Ben ouais. Ah, vous suivez le foot, la NFL? Mais j'étais plus, dans ce temps-là, j'étais vraiment. Moi, j'aimais plus... pas le hockey, j'aimais le baseball, la NFL, puis la NBA un peu, là, genre, évidemment, Jordan, tu sais, c'était vraiment gros. T'étais un gars Charles Barkley, non? Ouais, moi, j'étais Charles Barkley, j'aimais pas Jordan. Ah ouais, damn. Tout le temps, ça a dû être pénible pour toi. Ouais, pénible. Mais tu sais, les finales, des fois, on dirait que ça allait arriver pour vrai, mais ça l'a jamais arrivé. Mais ouais, j'ai tout le temps aimé les underdogs. Moi, c'était plus genre, j'étais full on Raiders de la tête aux pieds tout le temps quand j'étais genre au primaire. Mais jusqu'à présent, t'étais avec eux ou? Non, mais genre, quand j'étais jeune, j'écoutais même pas ça parce que genre, C'était le chez nous, personne n'écoutait de sport. Ouais, genre, comme mon père, c'est un gros fan de sport. Lui, son père, c'est un gros fan de sport. Là, il était coach, puis quasiment président de la ligue de baseball à un moment donné. C'est ça. Puis moi, mon père, c'était un, la c'était un gars qui parlait juste. Mon père était comme très politique. Mon père était impliqué dans. Genre, il y avait un organisme dans le temps qui s'appelait SOS Racisme à Montréal, puis ben, au Québec, en fait. Mais ça existe encore, SOS. Oui, mais back then, c'était mon père le président de ça. C'était mon père le président de ça. Puis mon père était full dans ces trucs-là. Il était sur les comités de consultation avec le SPVM pour genre justement pour que le SPVM fasse plus attention justement aux communautés culturelles et toutes ces affaires-là. Puis après, il a été genre
il était assistant spécial du maire Tremblay back then à Montréal. Ah ouais. Il était assistant du maire. Puis c'est un gars sérieux, là. Jusqu'à temps... Je vais prendre les contacts du père, là, pour work, là. Jusqu'à temps que genre, ça sorte des nouvelles à télé que, genre, mon père was a fraud, genre, parce que, genre, il y avait des diplômes qu'il avait dit qui n'étaient pas vrais. Oh, non! Il y avait des diplômes qu'il avait dit qui n'étaient pas vrais, puis, mais c'est un gars qui parlait beaucoup. Fait que, tu sais, c'était un bon parleur. Ouais, là, ouais, il va t'enjôler, là, en parlant, là, tu sais, c'est un gars très politique. No fucking way! Fait que, genre, il a fallu qu'il démissionne du truc parce que, justement, il y avait comme un diplôme de l'Université de Columbia aux States que celui-là, il n'était pas vrai, puis, genre, tu comme des shit de même. Un hater qui a été faire ses recherches. François Bungingo, là. Ils ont dit à toi, t'es un fraud, I'm gonna get you. Si tu t'en vas trop deep en politique, il faut que tu t'attendes aller, à ce que tu sois fucking clean. Ouais, parce que vrai, le monde, ils vont gratter pour trouver des affaires, là. C'est comme, c'est sûr. Il y a des gens qui sont payés à rechercher la menthe. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que moi, puis Cyrano, on va jamais aller en politique. we're not qualified for that. Non, mais oui, mais c'est ça. Tu sais, mon père était big là-dedans, là. Tu sais, il y a la médaille de chevalier du gouverneur du Québec, de je sais pas trop quoi, là. Puis, tu sais, toutes ces affaires-là, mais genre, c'était pas... il a fait sa carrière sur du vrai puis du faux, puis quand le faux est ressorti, ben, ça frappe. Il l'a cancel. Intéressant, man. Faut en garder pour Patreon. Ça, c'est quelque chose de bon pour Patreon, en plus. J'ai aimé ce talk-là. écoute, laisse-moi... Je chalante les ministres. Avant de chalante les ministres, quoi d'autre que... Tu veux que vous magasinez? Je vois que t'as apporté un polo, c'était pour moi ça, tu l'as apporté? Ben un peu, j'ai pensé, c'est sûr et certain. Là. Non, mais j'adore polo aussi. Ok, polo. On sait que t'as un match. Tu sais, actually, ton soldat aurait un match avec ça. Oui, c'est vrai. Ton soldat aurait un match avec T-Pence. Ouais, c'est vrai. Un Golo Life. Là. Ouais, moi aussi j'aime beaucoup polo. Ah ouais, qui vous êtes dans cette sec-là, là. Oui, non. T'étais-tu fan back then de Thurston Howell? Tu connais-tu Thurston Howell? Ouais, je connais, ouais. Thurston Howell, je suis un low life, moi. Officiel. Ouais, à Montréal. Wow, shit. Un low life montréalais, j'ai pas été encore. Mais tu vois, nos boys, justement, Teki, nos boys de TTC, justement, le Teki, puis son cousin cuisinier qui était dans TTC aussi. C'est des gars low life là-bas aussi. Ils font des trucs, des fois, justement, avec les regroupements de gars qui sont deep dans le polo game. Ouais, c'est ça. T'es qui malade, dans... ça. C'est une communauté. T'es qui deep dans tout ce qui est outerwear. Moi, je suis deep quand même. Puis j'ai jamais eu un. Je sais même pas combien d'émissions on est rendu là. Tu m'as jamais donné un bagage. Parce qu'il n'est pas mon size. J'ai essayé, mais. C'est même pas. C'est le même size, moi. J'ai pas du extra small là. Fait que je charante les ministres de Patreon. Pour être ministre, ça aide d'être là le premier du mois. Justement, une petite pause parce qu'il y a un gars qui m'a hollé pour dire « Oh, les ministres, vous les chargez pas tous parce que quand je regarde en dessous de la description YouTube, la liste est longue, pis c'est pas tout est long. » Mais la description de YouTube, ça inclut les gouverneurs et les ministres. Ouais. Les c'est quoi gouverneurs, la différence? Tu peux nous expliquer la différence entre les gouverneurs, eux autres, on les écrit en dessous de la description YouTube. Quand ça va sortir, on va mettre la liste des gouverneurs et des ministres. Ouais. Mais les ministres, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Ils ont le shout-out en plus d'être écrit en bas du lien YouTube. C'est les ministres. Mais les gouverneurs, ils ont juste leur nom écrit. Mmh. C'est tout. On les shout-out pas. Faut mettre plus de cob pour être un ministre. C'est ça, ben oui. Mais plus de privilèges. Ouais, c'est pas moi qui fais la loi, mais c'est la société. Je sais jouer le jeu. C'est la société qui l'a imposé. On s'adapte. On s'adapte. On va dire ça comme ça, quoi. Fait que shout-out aux ministres. Montreal Urban Music sur Instagram, Librairie Racine Montréal, Centre Sud 125 D-Town, okay. Big shout out to Mystique et Victo, Envivo Photo Booth, Dualité, Mac 47, ConceptionLogo.com, J Magistrat Saint, Dope More, Jonathan Breton, Meduse Mastering, Mike Zop, YFX, LP, EmpireDurag.com, L'Atelier Duo de Chef, Simon Bourque, DJ Flash, Nibi704, Zdelax, Jivoire.com, Jeunel Graphiste, Bugsy STL, JDMD, L'Autre, Young Self et Alex. Gros shout-out à vous tous, man. Yeah. Sans vous, il n'y a pas de nous. J'apprécie la force. Et essayez toujours voir le premier du mois pour être un ministre. Ça va être toujours le premier et deux du mois pour être un ministre. Sinon, après ça, c'est off.
les places se remplissent vite. Je vais pas être ici en train de shout out pendant une heure de temps pendant que on a des guests ici. Ah non, mais non, ça, non, tu fais ça bien, moi. Je... À chaque fois que j'entends le Bugsy STL, je pense tout le temps, je suis comme, c'est-tu Bugsy de South Squad? Non, c'est Bugsy non. de STL Finest. Okay. Il y avait un groupe là. Puis mais South Squad, je me rappelle, il y avait Willie Bombazi. Ouais, Willy, ouais, lui, il rappait en anglais, Willy, lui, non. Ouais, il rappait en anglais. Ah non, c'était... Ouais. Le géant, c'était Tone, qui? Puis il y a le géant. Sneaky Tone, c'était Tony. C'était le géant, je l'ai jamais rencontré. Comme, ouais, lui, je l'ai jamais rencontré. Il y avait Willy, puis... ouais, c'est ça. Tony, on avait une tune, c'est ça, on avait une tune sur FM2 avec. On travaillait avec aussi dans le temps qu'on a travaillé au Archambault. Avec Bugsy aussi. Bugsy, il travaillait aux instruments au Archambault Berry. Lui, il travaillait dans la section urbaine au Archambault. Moi, je faisais la sécurité. Puis... Toi, t'avais un Mohawk avant? Ouais, dans le temps que j'avais des cheveux. Dans le temps, ouais. Parce que je me rappelais. Le temps qu'il y avait une chasse. Ouais. Mon barber, shout out Coco, il va être très content. Il me dit tout le temps, dans la prochaine entrevue, il faut que tu me plugues. Dis-moi ouais. Non. Shout out Coco. Bah là, ça, mais pour ça, on a deux chasses. Coco, inbox nous. Deux chasses for free right now. On a deux chasses. Je vais dire, je suis allé le voir ce matin. Il est dans quel coin, Nathan? Il est dans quel coin, Coco? Il est comme dans NDG. Okay, ah, NDG. Ça, c'est bon. Non, même, c'est bon. Okay. Coco, inbox rap politique, on va prendre rendez-vous. Bon, ouais. On va faire un bel petit on the house. Shout out. Il essaie tout le temps, il est tout le temps comme, yo, attends. Je vais te refaire une chasse là, comme quand t'avais des cheveux, je suis comme d'autres, j'ai plus rien. Puis là, il essaie de me faire mon line. Yo, shout out à tous les salons de coiffure qui jouent quotidiennement. Ça, c'est que vrai, ça. Ils jouent régulièrement rap politique, man. Shout out à tous les salons de Montréal, je vais pas commencer à les nommer. On a plein de snaps, je te promets, c'est un écran dans un barber qui est en train de pouvoir juste prendre une épisode random. Ça, c'est barbers, ça là, man, c'est quelque chose qu'on doit donner un shout-out à tous les barbers. Merci, vraiment, là, on apprécie le love. Shout-out à vous aussi, parce que, genre, oui. pour vrai, genre, comme je disais avant qu'on filme, là, c'est comme... Tu sais, moi, j'écoutais pas tant rap politique avant parce que votre shit est sur YouTube, puis moi, je check pas YouTube, j'ai pas le temps. Ben, je check YouTube un peu, mais genre... Pas ton média. 2 heures, 3 heures devant YouTube, c'est long, là. C'est comme, moi, je suis un gars de podcast, là. Tu dois faire d'autres choses en même temps. Genre, moi, je mets ça dans mes oreilles, je fais d'autres choses. Puis là, quand j'ai vu que c'était en podcast aussi, j'étais comme, shit, OK, j'écoute tout. Spotify! Puis, Spotify, Apple whatever, music, toute whatever. Ta plateforme préférée, écoute. Yeah. Puis, genre, comme... de pouvoir écouter justement toutes les talks avec les OG puis avec les nouveaux aussi, c'est comme je trouve que le mélange d'avoir les deux, c'est fucking nice parce que genre les kids là en ce moment, ils vont relate à genre leur artiste préféré qui sort là, ils vont relate à genre oh Tizo il est venu, oh tel c'est truc beaucoup est venu. De knowledge aussi pour les nouveaux qui arrivent, puis même moi que genre t'sais, on suit le rap game depuis 98 à Montréal, puis genre il y a des inside talk que genre que tu sais pas nécessairement, tu sais, puis comme en écoutant des épisodes, que ce soit avec Stratège lui avec... c'était vraiment une pépite d'or pour des personnes qui étaient fans de cet album là. Tout est behind the scene, mais moi j'étais comme mais oui, mais c'est ça, il y a plein de behind the scenes que tu sais pas. Puis surtout que nous, dans ce temps-là, on habitait à Valleyfield, puis il n'y avait pas d'internet de rap vraiment. Ouais, c'est comme, on entendait ce qu'on. On savait ce qui se disait à la radio, mais on savait pas les talks en arrière, puis genre qui travaille avec qui. Lui, c'est le cousin de lui, c'est le frère de lui, puis tout ça. Fait que ça, je trouve ça fucking intéressant. Puis de réécouter aussi, genre justement, des trucs avec comme. Des gars avec qui on a travaillé, tu sais, le chum, l'intrus, sa majesté, tout ça. C'est comme fucking nice de rentendre ces gars-là raconter leur histoire de genre, on la connaît, mais on connaît notre version à nous. Ouais, puis on connaît notre version à nous avant de les connaître, puis on connaît la version une fois qu'on les connaît, mais genre, on connaît pas les autres talks en arrière. Fait que c'est comme chaud, vous faites une fucking bonne job là-dedans. Educate un peu tout le monde. Genre, même si un kid va pas nécessairement aller réécouter les vieux trucs, c'est bon qu'il ait le knowledge puis qu'il puisse avoir accès à tout ça. C'est comme si c'est pareil comme le gars que vous parliez tantôt, Fat et la sonorité. C'est ça, c'est l'archive. C'est important ces affaires-là, parce que sinon ça se retrouve où? C'est comme c'est pas les médias trad qui vont parler de ces affaires-là puis qui vont archiver ces talks-là. Real talk. Fait que c'est quoi le mot de la fin pour les jeunes qui nous écoutent? Avant qu'on va sur Patreon.
Ben c'est ça, dans le fond, genre le faites ce que vous pensez qui est allez vers vos rêves, I guess, là, genre, puis sinon allez checker tout ce qu'on va sortir bientôt, Chrome, Gabouane, Figure 8, Jean Bar, tout le monde avec qui qu'on fait des shit, Dr. Stein, Saint-Sucré, Awkward Richard, Badminto, John True, No Focus. Je vais les nommer parce que pour eux, si tu parles avec Saint-Sucré sur Instagram. Ouais, ben oui. Sucré, il est full productif. Il donne beaucoup de love. Il adore. Le hier, j'ai fait un studio avec lui, puis j'ai dit que j'allais passer à rap politique, puis il était comme genre waouh, il était. Yo, okay, genre, shout out à toi parce qu'on se parle souvent. Ben oui, ouais, un shout out personnel à toi parce que yo, tu donnes toujours du love. On parle sur bon là. Il est très bon. Puis c'est un gars qui, tu sais, moi je le connaissais pas avant que lui me. Il a du respect pour le game. Puis il est là, puis il donne du love. On va prendre ce moment pour donner un shout out. T'sais, même dernièrement, là, je parlais avec. Je chillais des fois un peu avec Monkey, puis tout ça, puis il était comme oh, oui, Saint-Sucré, je connais, le gars il est comme fucking bon, puis. Puis il veut, il a soif, gars, là. C'est un gars qui respecte tout le game, puis comme ce qui s'est passé avant. Aussi, pour vrai, il est talentueux. Il était là, je pense, dans le temps, il était un petit peu plus dans la scène, justement, peut-être. Heartbeat un peu. Qui est une scène qui a fait quand même des grosses choses pour le rap. Ben oui, sans que tout le monde le sache. Big! C'est genre vraiment les, big. Les High Class, puis ben oui. Les Dappy, puis tout ça qui sont sortis de là. Première fois, j'ai été dans un event de Heartbeat, c'était rempli au Club Soda, puis j'ai dit, OK, c'est qui le headliner? Puis on me dit, comment un headliner? Il n'y a pas d'headliner, c'est juste ça. Des producers, puis je pense que Lou Ferbs devait passer. Ouais. Je suis comme, OK, puis il y avait Green Hypnotic aussi qui était là. Ouais, Green Hypnotic, il était beaucoup avec lui à ce temps-là. J'ai dit, c'est juste nous. C'est comme, yo, j'ai jamais vu ça. Moi, à chaque fois que je vais au Club Soda, c'est qu'un headliner. Mmh, c'est juste des producers. Like, yo, this is crazy. Ouais, c'était une grosse scène de producers, là, genre, comme, c'était quoi? C'était 2012, 2014, 2015, ces années-là. Ce vibe-là, ouais. C'était une grosse scène de producers dans ce temps-là que, genre, c'était comme... C'est ça à Montréal aussi, c'est qu'il y a différentes scènes aussi. Tu sais, c'est... Souvent, tu vas avoir du monde qui vont être comme qui vont checker, mettons, si tu checkes juste la Saint Street, ben tu vas pas nécessairement être au courant de ce qui se passe dans ces events-là de Heartbeat, mais ces gars-là, ils travaillent fort, ils se croisent pas, mais ils se parlent pas, comme c'est ceux qui sont comme dans le monde hipster ou très comme, je pourrais dire Heartbeat, c'est des gens qui vont à appartement 200, ils vont à l'école privée, puis c'est des personnes que sûrement des street rappers savent même pas c'est qui eux, puis eux savent même pas, puis c'est vraiment on est dans la même ville, puis vraiment ils se croisent pas, je vois pas leurs choses poster, c'est bizarre, on est à Montréal, puis il y a vraiment deux scènes comme ça. Tout le monde pourrait bénéficier, je pense, d'un à l'autre, puis tu sais, comme dans un sens de profiter d'un fanbase de l'autre. Tu sais, même si tu regardes aux States, là, si on va y aller dans extrêmement gros Post Malone avec 21 Savage qui sont complètement à l'opposé, mais qui ont fait une chanson ensemble qui est devenue genre interplanétaire. So, comme... Puis 21 Savage n'a pas perdu de son lustre à cause de ça. Là, il a autant le fun qu'il était, même chose, ben, Post Malone, il continue à faire du pop. C'est des gars full talentueux que maintenant, tu check High Class, là, il fait des beats avec. Avec tout Future, le monde, ben, avec Future, Weekend. Le Weekend, etc. C'est comme. Ouais. Gros shout-out High Class. Des vraies collaborations aussi, là, tu sais, collabore avec l'artiste. Moi, je veux voir Planète Giza avec Lost. Ça serait fou. On va continuer les talks sur Patreon, là. Yeah. So. Merci d'avoir écouté. On va voir si les gars ont fait des threesomes en tournée. We are like that. Rap politique. C'est genre...